Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 19 mai 2019. Au sommaire de cette édition, le Centre National de l'Apostolat Haïtien inaugure le 31 mai prochain à St. Peter's University, Jersey City, New Jersey, la 34e édition de sa conférence annuelle sur le thème « En nous, mettez ensemble ». Par 42% des votes exprimés, la candidate haïtienne Farah Louis a été élue mardi dernier City Council Woman aux élections pour le 45e district de Brooklyn, New York. L'association haïtien-américain en action organise le 29 juin prochain à Carnegie Hall un grand spectacle pour collecter des fonds au profit d'un projet contre l'esclavage d'enfants en Haïti. La direction de Haitian Leadership Forum a organisé le samedi 11 mai écoulé une grande réunion à La Baguette d'Or, Spring Valley, New York. D'importantes manifestations socioculturelles seront organisées aujourd'hui à Irvington et à Spring Valley pour commémorer la fête du drapeau haïtien. Comme invité ce matin à cette édition Première Classe, nous aurons Jacques Camille de Ouachipo, le docteur Panel Beaubrun qui nous parle des défis académiques des lycéens haïtiens aux États-Unis, Max Trésil qui nous parle de l'importance de notre participation au recensement. Dans la section éducative du programme, nous avons le docteur Jean-Édouard Fayette pour des conseils médico-dentaires et Francis Gondo sa rubrique « Connaissance, c'est pouvoir ». C'est vrai, yo dit, la caille nous gagne problème. Mais pour nous connaître, gagne en pile richesse. Pour qui nous pas chercher les têtes ensemble. Pour le retourner, faire des outils. Nous gagne bel soleil, belle blanche, belle rivière. Belle cette historique, visite à sortir tout partout. Souvent nous toujours dit, la rue a ses salons peuple là. Côté monde n'a passé, faire fort, pas jeter pas gras. On a construit un pays, tout a ici va fier de lui. C'est vrai, y'a dit, pays n'a pas développé. Mais pour songer, gagne en pile valeur. Si nous travaillons, la retourner, perle des Antilles. Nous gagnons fête champêtre, vara carnaval. Belle boîte, belle chute d'eau, visiter cabine appréciée. Souvent nous toujours dit, la rue a ses salons, peuple là. Côté mon a passé, fait fort, pas jeter pas drap. On a construit un pays, étranger, prêt, content, vini. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut m'ouvrir la télévision pour me regarder Haïti, première classe, number one. Jeudi 19 mai, ben c'est gros causé dans l'événement. Comme on connaît 18 mai, c'est en fait c'est actualité hein, depuis l'activité a déroulé. Et dans le Tri-City, New York, New York, Connecticut, mais jeudi, c'est jour J. Dans Irvington, et matin nous avec nous, et quand il woman Chanette Aurélien qui est avec nous, ensemble avec l'ingénieur Toussaint, et qui toujours bras gauche, li, je dis. Donc, Janet, qui est attention à vous? C'est une grosse cause qui pourrait passer dans la cour Irvington, qui ont fait ce dia, mes amis, tout mois de mai, son mois de commémoration avec la communauté haïtienne. Eh bien, je dis à 3h tapant, pas guerre, fait. En retard, non, mes amis, n'a monté drapeau haïtien devant Town Hall, un Civic Square, m'espérer que nous tout a fini et puis pour nous bien amuser nous aujourd'hui. Non, programme qui s'appelle Canada et j'ai tout ça. Bon, et c'est un programme extraordinaire. Femme du premièrement, location, c'est devant City Hall. N'a fermé. Devant, c'est pas la pluie parce que nous avons la pluie. Nous avons une alternative pour la pluie à tout. Depuis que la pluie, n'a pas rentré en da high school là qui est en face là. Okay. Donc nous parer pour tout coup. Mm-hmm. Donc ça veut dire que n'a fermé Springfield Avenue et n'a fermé Clinton Avenue. N'a devant City Hall là. Mais comme on dit depuis que la pluie n'a pas rentré en dans high school là. Nous dit mon yo gain parking dans high school là tout depuis venir ou pas un problème du tout. Et puis n'a gagné toute ville Irvington avec nous meilleur la police, pompiers, Department of Health, tout monde net à pas venir nous pour nous capables commémorer 19 mai fête de la Poix. Et me connais gon fête culturelle qui va le fête la Chanette dans programme qui est sur qui artiste ou gain. Ah nous grand pilates. Pas qu'à gagner 19 mai, mes amis, ça nous va gagner Troubadou. Mm-hmm. Et Troubadou avec Hudson pour le performer pour nous. Et puis nous avons un bon jeune petit monde qui consacre les cultures haïtiennes. Et bien nous avons Woods 1804 okay. Qui connaît ça qui a passé. Un bon jeune petit monde, mes amis, qui prend dans ces folklore là. Nous gagnons Isaacson Buto qui convoit impeccable comme si c'est un opéra qui pral chanter pour nous. N'a gen Gérard Tissi dans high school là qui pral venir aider nous depuis au commencement. N'a gen Rachel Prince-Selab qui gon bonne belle musique d'Haïti, Jean-Claude Jean, Jean-Claude Gauthier, nous gon Guitel Alexandre. Ça veut dire programme nan surchargé et puis pas seulement ça mes amis. Partie de programme non c'est on côté tout pour nous parler de qui ça qui fait drapeau. J'aime toujours dire malgré nous honorer Jean-Jacques Dessalines, Catherine Flore dans le passé mais nous obligé honorer dans le présent. Mm-hmm. Et bien année ça c'est avec une fierté que n'a honoré André Romage. Mm. C'est gros causé. Et nous pas attendre que ça jeune garçon ça a fait dans communauté. Et bien m'espérer que nous toutes vini tendre qui héros d'aujourd'hui, vous comprenez, pour nous capables de supporter une à l'autre.
Now, tout ce qui est important ça gain pour haïtien dans 18 mai à l'occasion ça a montré yo sorti pour participer dans fête ça. Fayette, faut qu'on ait un peuple drapeau à son symbole lié. Et au maintenant de yon peuple gourmet, il pas jamais gourmet contre drapeau. Drapeau a toujours identifié que monde qui dans pouvoir, que monde qui dans position, que monde qui remet pays, que monde qui pas remet pays. Donc c'est seul symbole nous gagnons qui essayer rallier nous ensemble. Nous obligés utiliser symbole ça dans toute occasion. Côté nous passé, depuis nos besoins pour haïtiens mettre tête ensemble pour nous utiliser drapeau comme symbole et cette date là c'est le 19 mai. Non, je dis dimanche là combien nous attendre dans fête ça Jeannette. Ah, nous préparer en pile mes amis. Et bien pour monde qui pas connaît, nous qui t'en passé 300 drapeaux. Premier monde qui vient yo a gè drapeau. Ça vient aussi 400 vient pas bien drapeau non. Eh bien pour ça nous obligé venir à l'heure mes amis, c'est une bagarre moi toujours dit les Jeannette Frédéric avec Grindelberg Community a fait un event nous remet à l'heure parce que les nous invité officiel américain yo vin à l'heure. C'est pour ça moi dit merci déjà avec communauté haïtienne parce que toujours vin à l'heure supporter nous depuis à 10h 11h n'a gite commencer gain volontaire qui a bien préparé pour nous. Mm-hmm. Ballon drapeau a bien fait. Et bien premier monde qui vient avant a gè maillot pour premier monde qui vient avant yo tout a bien manger mais manger mes amis nous toujours préparé pour passer 3 à 500 monde ça veut dire bien boisson a bien manger pour nous venir amuser ensemble parce que ça veut dire là nous mangeons ensemble nous sommes communauté ensemble nous gain chance pour nous parler l'un à l'autre. Donc et tout ça veut dire que vous commencez vous aller tout là pour manger vite. Bon oui définitivement et nous dit mon yo aller l'église pas besoin faire manger la caillou shop nan event là depuis à 3h de l'après-midi n'a là et année ça noté et noté qu'on mettait manger au n'a pas là qu'on y a n'a avancé le plus près pour étant mon n'a fêté depuis le font virer casser dans doa il toujours manger à la derrière non pas d'aide aujourd'hui non non pas d'aide du tout tout le monde a mangé votre plaît chan dernier mot pour mon yo. Moi dit merci avec tout sponsor yo, moi dit merci avec Ring the Bell for Community, moi dit merci avec Fruita Restaurant, Intimité Restaurant avec tout sponsor qui a aidé nous faire event ça. Moi dit merci avec Haiti Première Classe qui toujours supporté nous pour nous faire event grandiose comme ça. Mes amis, baga lancé dans Kevinton, un Civic Square, pas oublier venir célébrer avec. D'accord, merci Jean-Dieu. Jeannette, merci d'avoir appelé tout le monde rendez-vous à 3h c'est dans Kevinton Civic Center que lié côté que fait drapeau c'est là la célébrer. Donc tout le monde est convoqué et ça veut dire 6000 monde sur la pas gagne manger assez drapeau non n'a pas gagne toute bagarre et puis pas oublier n'importe monde qui gagne n'importe problème nous gagne des numéros de téléphone pas moins c'est 973 761 47 74 et ben pas non mes amis c'est 973 545 61 80 973 545 61 80 si nous gagne 1000 monde pas oublier nous gagne market tout près tout bagarre ouvert d'accord merci Jeannette que bien merci Haïti première classe Kebela. Et maintenant avec vous le docteur Jean-Éloi Fayette pour des conseils médico-dentaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nom c'est Docteur Jean-Éloi Fayette, chirurgien dentiste dans Brooklyn. Quel rapport nous avons pensé gagner entre du vin avec dents? Et mes amis, du vin, on veut du vin chaque jour, c'est bon pour la santé en général. Mais le plus bon toujours, c'est un baronnet pour la santé orale. Non? Comment ça peut faire? C'est parce que du vin rouge là, surtout, il gagne une propriété antioxydant grâce à ça les phytonutriments qui même nature avec grippe ou bien pomme et chocolat. Ça le fait lui-même, le l'embouche non, l'inhiber ou bien empêcher progression bactérienne qui cause caries, ça les streptocoques mutants, l'empêcher le coller sous dents. Ensuite, deuxième bagaille, il fait encore, il inhibe le processus d'inflammation dans la gencive. Est-ce que ça veut dire que vous supposez boire du vin tant que vous baronnez? Non, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, nous allons expliquer ça. Du vin blanc, ça n'a pas gardé là, du vin blanc, il est légèrement différent de du vin rouge là, parce que le produit n'est pas même. Du vin ça, les plus riches en phytonutriments, bagaille antioxydant qui capable plus utile ou bien plus craser moral bactérique dans bouche nous que ça.
du vin blanc ou bien sparkling white là, li pa gagné nutrients sa yo. Sparkling white là, bien que li gagne ça ne relé acide carbonique là dans li pa aussi acidique que t'a pensé que l'autre du vin. Chaque gagné bagaille pa yo fait. Kounya ça fait nous venir avec émission ça avec ce que ça. C'est parce que nous voulons faire comprendre que du vin dans le tableau pH c'est valeur qui est capable de dire si on bagaille acide, très acide ou bien s'il pas tellement bien acide. pH du vin dans range 3.5. Par exemple, on peut joindre que citron très acidique, il y a un pH qui est environ 2.2. Tandis que soda, environ 3. Ça veut dire que soda, il est plus acide que du vin là-dedans. Nous ne pouvons pas parler de tout détail ça, mais nous avons montré l'importance du vin dans la bouche. Est-ce que ça veut dire obligé abuser l'emploi du vin? Non. Je vais parler de ce qui ça fait, qui dérangement qu'on va poser dans la bouche. Non. Le fait que du vin, sous quelque soit la forme liée, sparkling, red wine, rose wine, quelque soit la genre de là, dit très acidique, il y a un pile acide là-dedans, sont capables de provoquer, ça veut dire l'érosion dans le dent. Érosion, c'est le par exemple, émail, couche d'émail qui est dans le dent, couche d'émail là, il commence à diminuer, dent commence à casser. Presque même process avec stress là, c'est presque même janvier, contrairement avec l'autre bagage qui a causé érosion dans le dent, c'est que ces produits acides qui font ça, pas des bactéries qui involvent, c'est seulement produits acides qui mangent dedans. Qui est qui a risque plus? Moun qui a risque plus, c'est moun qui boit du vin mal, ou bien qui boit en pile, ou bien dans l'œil boit là. Tout ça, yo joue un rôle dans les dégâts que le fait. Ou jeune que, si vous boit plus que 15 à 20, ça n'a rien le cip du vin non semaine, yo et l'eau ou son moun ou boit. On va les ou taviateur, bon ou boit. Si vous boit moins que ça et qu'on prend dans condition normale, les gens ne doivent pas causer un pile de dégâts. Pas un pile wine tester haïtien, alors ça me donne les connaît. Mais wine tester, c'est moun qui quitte du vin dans bouche pour atteler son 15-30 secondes et de façon continue. Parce que c'est wine tester, il faut tester du vin haut. Et pour bien tester, il faut quitter le fond dans bouche. Qu'on y a avec le temps, il provoque érosion dans le dent. Deuxième bagaille, il fait encore, il stène dans l'eau, surtout du vin rouge là. Ce qu'on y a qui suggestion, c'est que l'on boit du vin, ou qu'on doit boire avec de l'eau, l'on finit, ou qu'on se bouche, ou pas quitter le rété trop dans le bouche. Ça très important. Ensuite, qui l'autre bagaille encore, ou capable de faire pour empêcher que du vin li détériore le bouche, ou utiliser produit qui est capable de blanchir dans l'eau pendant qu'on boit du vin. Bien que li pa fait travail à 100%, votre artiste l'a diminué, sten yo kapral poule dans dan. Par exemple, en Italie, ça moun yo fait, ou dans le pays européen, moun yo boue du vin, par contre, si technique là, vous connaissez, si on trouve que vous connaissez tout, yo boue avec santa grele, cheese, fromage. Et pourtant, l'idée, l'important, parce que cheese là, le fait que li gagne santa grele produits qui permettent reminéralisation dans yo, li renforce surface. Dans la surface couronne pour l'empêcher dégradation faite vite dans dents. Ce sou boit du vin avec cheese ou bien pain, il diminue l'effet érosif que du vin en guerre. Par exemple, bière moins acidique que du vin, songez ça. Soda plus acidique sont dangereux. En plus, produit qui a un citron là-dedans, tout le bagage est capable de poser érosion. Puisque nous avons ça, je suis venu avec lui pour me faire nous connaître que du vin, il y a un bon côté là-dedans, il y a un mauvais côté. So, c'est pour nous utiliser le bien, pour nous prendre, je ne suppose prendre, pas prendre trop, pas faire excès, parce que comme je toujours dit, l'excès en tout nuit. Je crois que c'est ça pour nous aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bon dimanche à tout le monde. À la semaine prochaine pour un autre segment sur Santé Orale. La maison funéraire Home prend en charge tout problème qu'on a gagné en cas de mortalité. Planification funéraire, transfert quoi à Haïti ou aux États-Unis, arrangement pour résident Haïti, vin d'enterrement pas Boise. La 736 Clinton Avenue, New York, New Jersey, 973 399 6301.
Accordia Shipping kon ki jon sensible pou véhicule, quel tes camion, bus, pick-up, trailer, truck ou soit jeep, c'est la gueule. Qu'est posé nan mais Accordia Shipping et puis non badge l'a déposé nan Port Saint-Marc la pou. Adresse nous si ou nan New Jersey, 150 Moss Street, Newark, quel que soit state ou vive nan 201 993 5723. Most Tax Travel Services ka be jam pou résoudre problème taxe ak voyage communauté a. Li planifie toute activité vacances que ou ap monter avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxa, li gen kontab kalifi ak kompite bien programme pou fè electronic filing e fò jwenn rifon nou sa kè sote. Mostak Travel Services, 2281 Chèche Avenue, Boukine Nord, telephone 718-684-3696. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offre un pile service tel que rachet dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Weekend Columbus Day, gen wachi popopoito Jacques Camille qui promet là pour venir avec troupe là pour une fois et pour le capable et faire mon riz, c'est ça wachi pour lui fait. Wachi pour exactement c'est 12 octobre qui a question pour l'année ça. Oui, effectivement. Spectacle projeté pour 12 octobre. Mais son jour J, le H, la minute M, la seconde S, événement ça pour lier parce que 12 octobre là pour marquer 30e anniversaire. Et Makaya Production Wachipo Théâtre. 30 ans de théâtralité, 30 ans de théâtre continu, sans discontinuation. Côté, il y a environ 30 ans, nous avons fait ça dans la communauté et qui était tambour battant pour éduquer, former et la société haïtienne. Parce que Makaya Wachipo Théâtre, son groupe artistique, folklorique et dramatique. Et ça n'a pas gagné longtemps, 2 ans ou 3 ans écoulés, et nous font nous ajouter sur ça, nous fait dans le groupe là comme substance, nous fait ce qu'on appelle l'estrade. Okay. L'estrade, c'est l'espace de la parole forte, c'est côté grande discussion faite, côté grand débat fait, et côté progrès fait dans une société. Ok. Alors, 30 ans pour ma carrière production à payer travail, qui ça m'a demandé pour qu'un bon troupe 30 ans? Ah, ça m'a demandé réellement volonté. Il m'a demandé détermination, il m'a demandé économie et il m'a demandé substance. Non. Est-ce que le thème n'a choix, est-ce que vous thème n'a continuellement ou vous changez, vous variez? Et ça nous fait comme substance là, il était, il demeurait. Certainement, il y a une variété dans la production, il y a une variété. Ok. Ouais, variété d'artistes, variété théâtrale, variété, etc. Et j'en passe. Ouais, mais en ce qui est trait de fondamentalisme, comprenez, groupe l'arité comme ça. Et dans le but d'éduquer, de former, de conseiller et de renseigner. Oui, mais là, nous éduquer, nous renseigner, dans quelle direction? Quand on a une vraie information, dans quelle direction que nous orientons, nous éduquer, nous? Bon, information, bon, en fait, ça, c'est un bagage qui est universel. Vous trouvez dans l'information dans un ouvrage, vous trouvez l'information à travers les compétences qui jaillent tout partout, que sur le plan Internet, que sur le plan journal, que sur le plan même étudiants qui participaient avec nous. Parce qu'avec le temps, nous formons de jeunes étudiants. Vous comprenez? Gagnez-le aux jeunes Makaya. Okay. Pour être dans un spectacle, 2 octobre, où vous trouvez Makaya, nous, comme anciens, et vous trouvez jeunes Makaya. Donc, il y a une sorte de symbiose qui est faite entre ni jeunes et ni anciens qui aiment Makaya. Vous passez touch là. Vous passez touch là, exactement. Mm-hmm. Par exemple, en novembre, ça a venu là. Ou après, ouais, presque c'est jeunes qui prennent la relève. Parce que nèg ap grand moun, konprann? Et compétences là deux, et c'est jeune timoun qui gagne li, on rentre le droit. Donc nous font quelque chose. Est-ce que c'est nous préparer jeune ou bien nous prendre jeune compétent déjà? Depuis high school, avant high school. Alors naturellement gagne au qui aller, gagne au qui là parce que nous toujours faire renouvellement, toujours faire recrutement surtout à travers jeune yo, konprann? Parce que c'est sûr nous compter pour un lendemain meilleur sur le plan culturel. Mais est-ce que jeune yo intéressé à mon voisin? Et pas 100%. Mais suivant et à tout cobayo, suivant Jean qu'on recevoir, suivant approche qu'on gagne, suivant son présenté comme valeur, comme substance là, ça a très 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 important puisque en pile nan yo, c'est pas un yo qui ouais travail que Makaya fait depuis 30 ans, qui même encourage et finalement yo finit par accommoder, c'est pas tout en général, mais groupe la charge à qui jeune monde m'a dit et trop, mais c'est-à-dire que nous avons une jeunesse là avec nous. Oui, par exemple, qu'un petit haïtien intéressé, n'a pas les créoles, n'a fait drapeau, n'a mis des drapeaux sur eux, je pense que ça sont dans son coin qui est positif parce que Maka a senti chaleur ça la Kaili. Et oui, par un certain dynamisme, il existait, comme surtout par valeur culturelle, par substance que nous offrons, par respect tout que nous gagnons pour haïtiens pareil nous.
Ouais. Et puis assez souvent, nous faisons une sorte de rétrospectivité sur Haïti, ça a été dans le temps, valeur que nous avons dans le temps, et que en tant que porteur culturel, en tant que porteur des âmes culturelles, nous entendons qu'il y a des valeurs, ça à travers nous-mêmes, demain, qu'on peut représenter moi-même, demain, qu'on peut remplacer le travail que nous faisons. Mais théâtre là lui-même, quel message surtout que vous voyez? Bon, théâtre là, c'est un message toujours tout à fait didactique, comprenez? Théâtre là, un message, c'est-à-dire pour un général qui est capable de comptabiliser sa haut et les valeurs. Théâtre là, c'est toujours un message surtout spécifiquement à Haïti, ce qu'Haïti a été dans le temps et ce que ça nous a aimé Haïti est demain. Ouais. Donc, à travers Texio, à travers poésie, par exemple, par Iblié, non artistique, non folklorique, non dramatique, comprenez? Ou bien pour un spectacle de 2 octobre, là, pour aller tout ça, comprenez? C'est ça qui contribue, qui fait ensemble, qui fait une sorte de symbiose et qui toujours offre un spectacle réellement fondamental que le public, le grand public, le public des grands jours, toujours attiré. Vous mettez 30 ans, par exemple, de premier spectacle que nous avons 30 ans de cela, avec le spectacle qui pourrait être 2 octobre, là, qui jouent à cap et font. On dit ça on t'a qu'à dire c'est presque on t'a qu'à dire ça où les débuts et ça où les progrès et c'est ça où les atteignent un certain paroxysme. Donc tu vas le descendre alors non, qui atteint un certain paroxysme. Qui atteint un certain paroxysme. Puisque l'année de débuter, nous prenons même pas qu'on dit un mot créole. OK. Nous prenons comme si nous débutions à tout point de vue. Comprenez? Et au fil du temps, au fur et à mesure, yo finit par gagner un certain bagage. Okay. Comprenez? Et ceci sur point de vue même économique et à jour d'un jour d'hier, comprenez? Avec le temps, il y a des gens qui sont encouragés, qui ont une bourrade qui fait nous arriver là, côté nous hier là. Quand ça me dit là, okay. Et les gens ne sont pas les créoles plus liquides. On dirait qu'ils sont entrés. Non. Par exemple, il y a un gars qui est Barbara. Barbara me prend Barbara depuis high school, mais c'est une meilleure actrice. Mais quand il y a une gars, Elisabeth, pas les créoles, dit bien tout. Et bon, oui. Oui, mais Barbara, il parlait créole normalement, il formait. Et c'est ici qu'il fait. Et c'est ici qu'il fait. Wow. Non, pendant ma machine à l'école, comme ça, et puis il me dit, vous avez bon petit, il parlait créole là, non. Ah, ma mère, deux. Et puis il me trouve, il est intéressé jusqu'à présent. Il est en trouble là. Il est en trouble là. Qui est le plus bon moment, ma carrière? Le ma fête 25e anniversaire, c'est un bail extraordinaire. M'espérer qu'une prochaine fois, on va venir avec histoire-là et documenter à la fois. Mm-hmm. Parce que 25e anniversaire, j'ai l'impression que j'ai atteint un niveau que le public a reconnaître ce qu'est ma carrière production ou à Chipotéâtre. Okay. Puisque les performances étaient réellement extraordinaires, et nous avons atteint un niveau très élevé. Et depuis lors, on a dit ça, dès que ma carrière a fait un spectacle, le grand public est là. On nous respecte pour qui nous sommes. Et c'est ça qu'il faut oublier, puis mauvais moment. Puis mauvais moment, quand on a fait spectacle avec Mbawe Moun. Bon, et puis mauvais moment, je ne respecte pas. Mais c'est pour nous qu'il y a un grand moment, tout, que je passe tout. Le map, et en 2002, le map gelé à Kokoye. Mm-hmm. Le map gelé à Kokoye, il y a la pluie qui commence à tomber depuis le jeudi. Puis le map gelé dans samedi. Le map gelé dans samedi. Bon, dans samedi, la pluie a dit Mbap campé même. Oui. Il dit bon. C'est fini. L'argent perdu. L'argent perdu. Mon bon taxi me rentre. Le mec pas des rideaux. Moi, alors, vous connaissez le directeur de troupe. Je suis obligé de mettre ma forme. Si mesdames, vous venez dire, eh, je sais pas. Et puis, Léopard, il dit, ouais, m'a répété pas des rideaux. Et puis, il dit, Timounio, ah, je sais pas, puis ferme, bassin, nous mettez-nous en forme. Fayette, vous pas de me causer. Le temps que vous finissez répéter pas des rideaux, les mauvais rideaux, pas de côté pour mettre mon. Et la pluie t'a tombé? La pluie t'a tombé par les côtés pour piquer. Manger manqué fini sur le jour. Mais il n'y a pas fini. Manqué fini. Au début, t'as envie de manger. Bon, ouais, c'est ton gars là, qu'on s'en tape gelé à Kokoye. Le grand public était là. Parce que sans que nous faire, nous réellement et nous culture de manière fondamentale. Comprenez? Et nous avons la prétention, nous avons la détermination. D'éduquer les gens. Puisque, l'on a comparé tant jour d'un jeudi avec tant passé à, il y a un petit bail qui pas pour tout bien. Mm-hmm. Donc, si on a un lacayo comme intrinsèque là, ou t'as toujours très bien transmettre. Or, c'est ça me fait à travers la culture. C'est ça que je prends au sérieux. Je prends au sérieux.
les m'a éduqué, les m'a fait jouer théâtre là, jouer. Et c'est ça que tu as dit plus ou moins, nous avons un troupe qui est responsable, oui. Plus ou moins un troupe que, qui a représenté Haïti normalement. Bon, je pense que c'est 12 octobre spectacle là. Donc, nous ne pas gaspiller tout le monde, nous avons tout d'accord. Non, oui, nous avons tout d'accord. Et 12 octobre, pas oublier, c'est 30 ans de théâtralité, okay. 30 ans de théâtre continu, et 30 ans d'endurance, et 30 ans de bon et de grands spectacles. C'est ça que fait le public, le grand public, le public des grands jours, toujours là, et n'a fait spectacle là. C'est dans New Hyde Park Eck Lodge, 901 Lakeville Road, New Hyde Park, et New York, et tout près Long Island vers Hillside, là, n'a pas trouvé place à côté d'hier. Mais téléphone pour quoi? Téléphone, c'est 646-210-3308, je répète, 646-210-3308. Ok. Donc, moi, je vous remercie. Je vous retourne encore. Merci. Merci. Okay, merci. Haïti première classe, Boki Choy. Maintenant, on peut recevoir, et, en fait, Luciano Benjamin, et c'est dans le coin du livre, et le livre que l'a présenté maintenant, c'est le baiser du pardon. Luciano. Bonjour, Dr. Fayette. Eh bien, je dis, en, le coin du livre et de la culture, nous avons pour ouvrir ça, qui c'est le baiser du pardon. Un livre qui est écrit par Louis Berouette, un haïtien, originaire de Jacmel. Eh bien, Le baiser du pardon, c'est un recueil de poésie qui gagnait 170 pages. Ou même, qui pour qu'on gagne chance, lit Louis Berouette, Mbalbaou, Antilossier, de qui ça, livre ça a parlé. Poésie qui écrit un livre ça, il est écrit en français. Eh bien, l'homme fin lit texte ça, il est capable de comparer Louis Berouette comme à la manière de Verlaine, à la manière de Victor Hugo, à l'instar de Corneille. Mais monsieur, c'est un haïtien. Monsieur Gonstil qui est simple à lui-même. Il écrit en vers, il écrit en prose tout. Eh bien, monsieur, c'est un nègre qui sortit dans une famille de 10 timoun. Monsieur, c'est le cinquième petit dans la famille ça, la famille Berouette. Monsieur a vécu dans Long Island, il a publié le livre ça en avril 2018. L'homme fêté le livre ça, gagné un texte que monsieur a écrit pour madame ni qui attirait moins en pile. Texte ça, l'autant de texte ça, l'autre lit tout. C'est un texte qui relatait de chiffres, qui parlait de numéros. Mais tout bagaille ça, il y a un rapport avec l'amour. Je vais juste rentrer dans le texte. Je lis pour nous. Tendez avec attention. Et puis nous-mêmes, nous allons tirer le son de texte qui est écrit par Louis Berouette. 1 ne peut exister sans 2. 1 plus 1 font 2. 2 dépend donc de 1. Et nous deux. Et nous deux ne formons plus qu'un. Je te tiens par la main sur ce chemin court et long en même temps sans voir passer le temps. Au lendemain sans fin, tu m'appartiens et je t'appartiens. Le mien, le tien, c'est pour rien. On se sent bien et le destin nous fait un dessin, fredonne le même refrain. Qui enchante tous nos matins dans ces liens, qui nous relie tous les deux sur ce chemin, court et long en même temps, sans voir passer le temps, car ce temps nous appartient dans cette vie à deux, où nous ne formons plus qu'un. Le baiser du pardon. Vous pouvez lire ça à acheter dans tout côté Yovan Livre, surtout dans Barnes & Noble. Non, Pam, c'est Luciano Benjamin. C'est ça nous te gagne pour aujourd'hui, jeudi, hein, dans le coin du livre et de la culture. N'a dit tout le monde, passez un bon week-end, m'allez, gardez le sourire et surtout, surtout, le partage. Et surtout, et Luciano a pris application, donc. Application, mesdames, vous venez, mesdames, vous pouvez venir. Pas fatigué pour application. C'est moi qui suis fatigué.
Mesdames, bien vu. Comment pour l'application? Bon, on a pas accepté l'application en attendant. Et puis après ça, si possible, nous pas le faire en sorte de triage. Et puis, on a choisi sous qualité. Critère numéro 1. Critère numéro 1, il faut qu'on ait bien faite. Pas bien pleine, non? Bien faite. Ok. Donc, on a mis dans le critère ou émission? Dans l'autre émission qui va venir. Haïti première classe. Qu'est-ce que là? Extra Supermarket offre en pile variété produits alimentaires pour tout Haïtien dans New Jersey. Bon jean fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche. Ça fait extra. Très pour toi. 563 Central Avenue, East Orange. 327 Lands Avenue, Irvington. 719 Irvington Avenue, Maplewood. 973 378 37 75. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcende des choix tels poissons, tassos, griots, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718 789 21 76. Le restaurant-bar La Baguette d'Or Bistro vous accueille pour tous vos événements. Meetings privés, baptême, communion, anniversaire. La Baguette d'Or Bistro, c'est une cuisine créole de grande qualité dans un cadre exceptionnel. La Baguette d'Or Bistro, 214 North Main Street, Spring Valley, New York. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Héron, 2174 au centre de Brooklyn, New York, téléphone 718-434-5825. Maintenant, on a recevoir Max Trézil. Monsieur, c'est un partenaire spécialiste dans le recensement et Capral fait dans 2020 Kabila. Donc, le processus a déjà commencé, monsieur, dis-nous. Et qui est-ce que nous capables de faire pour nous joindre plus de monde compté, surtout dans la communauté panouan? Et c'est ça, M. Boualé, de nous comprendre. Max, et expérience pour là, et qui est important sur le recensement gain pour la communauté? Ok, bonsoir, bonjour à tous les spectateurs de la télévision Haïti, Haïti première classe. Mm-hmm. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin pour partager mes connaissances sur le recensement et aussi pour informer les gens qui nous écoutent. Et aussi à disséminer ou à les apprendre comment va se passer le processus de recensement en l'année prochaine. Oui, mais Max, le processus de recensement a déjà commencé déjà. Yeah. Now, haïtien ou get dance, est-ce que qui joue une participation haïtienne dans le recensement général? Bon, laisse-moi vous dire qui ça au recensement. Yeah, d'abord, recensement, si moi aller plus loin, ça a commencé depuis le commencement de l'humanité. Si recensement qui date plus loin, nous déjeuné nos livres dans la Bible qui les nomme. Après le peuple Israël là était sorti dans le désert, il était sorti en Égypte, il était vivre dans le désert. Moïse était ouais nécessité pour te commencer à former un gouvernement. Qui est-ce qui peut aller dans l'armée, qui est-ce qui peut faire ça, qui va ça, et il était relé pour eux en recensement. Mm-hmm. Et ça veut dire recensement c'est un des premiers outils dans le développement et dans la gestion. Si on ne peut pas condamner ou pas capable de prendre aucune décision. Et je me dis, comment m'expliquer le processus de recensement dans la communauté, comment on peut le faire l'autre année. Mm-hmm. D'abord, le recensement, comment le commencer, ou établir que tu as compté d'abord. Mm-hmm. Déjà, établir le côté nous pour le compter. Bon, d'ailleurs, on a compté tout le monde. C'est un bagage national, recensement. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'on peut compter tout le monde? Bon, l'objectif là, c'est arriver à compter tout le monde. Ok. Non, est-ce que nous pouvons marcher quand. Parce qu'en Haïti, il y a un marché quand il y a un symbole. Qui méthode nous pouvons utiliser pour arriver à compter tout le monde? Cette année, recensement n'est pas fait traditionnellement. La fête, il y a une lettre de bas. À partir de lettre, ça, il y a un code. Avec code là, il y a un café, il y a un rempli de questionnaire dans le téléphone ou bien dans le computer. Il y a un groupe de monde qui pas nous connaît, qui 5% de la population, hein, qui pas gain accès avec téléphone ou bien computer, monde ça monde qui dans nursing home, qui ou bien qui était dans centre ou bien qui ça senior citizen, nous envoyer des monde des employés qualifiés pour parler avec eux pour aide pour ka remplir questionnaire. OK, qui importe ça gain pour l'homme de recevoir mail là ou bien recevoir message là pour remplir questionnaire recensement. OK, qui importance recensement gain d'abord, j'ai dit à moi me reformuler question. Premièrement, chaque 10 ans, yo reseparé distrit yo. Donc les districts locaux,
nous avons district pour l'État, nous avons district pour les district. District local, c'est quand on joue le City Council, on joue le district pour Jijo, on joue le district l'école. C'est à partir du recensement, nous séparer les districts. Et nous séparer les districts, les gens qui peuvent représenter. Là, nous dans New Jersey, les gens qui peuvent représenter dans Trenton. Et nous séparer les districts congressionnels, comment on connaît, combien de gens qui peuvent représenter nous dans Washington DC. Ça veut dire plus de monde dans le district, plus représentants. Plus représentants parce qu'il faut que nous séparer avec fairness. Par exemple, mon bon histoire, en 2010, New York State a perdu 2 sites dans le US Congress. Pour et ça? Parce que New York State était au décalage, pas de côté bien. Et New Jersey te perdu yon site en 2010 dans récemment. Mais est-ce que nous pouvons identifier moun ça qui sont New Jersey qui sont New York qui côté aller? Bon, le plus souvent site ça le côté aller, il y a le Texas. OK, 3 sites que New York perdu dé et New Jersey perdu yon 3 sites ça aller. Parce que moun yon monte Texas. Yon descend New Jersey. Okay. Et ça c'est raison politique recensement. Deuxième raison qui recensement c'est pour le développement économique. Okay. Par exemple, le recensement libre pour les gens qui créent un business, si pas qu'on est combien de gens, comment ils ont fait le target market, okay. Comment ils ont réfléchi pour les gens qui sont dans la real estate, comment ils ont fait qu'on est, comment ils ont fait bâtir building parce que la population a grandi. Troisièmement, s'il y a un désastre naturel, et puis le gouvernement prend aux mesures immédiates, combien il y a voué au sauvetage, combien il y a voué, il a fait ça à partir de combien de monde qui vivent dans la communauté. Et troisièmement, j'ai dit tout à l'heure, nous distribuer distribuer l'école. Si nous ne connaissons pas combien de monde qui nous gagne, combien d'affaires qu'on est, combien l'école nous besoin, combien district police nous besoin, combien l'hôpital nous besoin. Ça, c'est une, globalement, c'est 3 raisons. Qui m'a au coup d'hier parce qu'il y a plus de réseau, mais 3 réseaux fondamentales de recensement. Ok, non, par exemple, Haïtien, si Haïtien ne répond pas à recensement, qui implication ça a pour la communauté haïtienne? Ok, Haïtien spécialement. J'aime dire, d'abord, parler avant la coulisse, côté de en 96, il y a un Haïtien très connu dans la communauté noire, que les Réginal c'est faux, mais c'était faux études, côté de jeunes Haïti, il y a 700 000 Haïtiens qui vivent dans New York City. Bon, ce n'est pas une étude qui était très bon fiable parce qu'il a fait avec Zongli. Et puis, Haïtiens, normalement, ils n'ont pas vraiment participé. 4% là-dedans, ils n'ont pas participé dans le recensement. Ils étaient plus pour ça. Ils étaient plus pour ça. Mais, quand il y a même ça qui arrive, si nous arrivons côté haïtien, nous arrivons côté plus haïtien, nous vivons un plus gros bloc. Politiquement, tout ce qu'a fait dans la communauté que nous avons, ils n'ont pas qu'à faire sans nous. Vous comprenez? Ça, c'est une raison. Enfin, typiquement pour Haïtiens, c'est une raison. Et puis, deuxièmement, forme de ça, de pouvoir vivre dans la zone. Si vous ne pas participer dans le recensement, vous faites autant pour peut-être pas, et vous faites autant pour la communauté. Parce que vous avez environ 675 milliards de dollars que le fédéral gouvernement a disponible pour mettre pour state. Comment l'agence a venu? L'agence a venu en fonction de combien de monde qui compte dans la zone. The more people you have, the plus de plus pour le gain, c'est plus l'argent qui vient disponible pour la communauté. Et l'argent ça pour qui ça est là? Il est là pour food stamp, il est là pour week program, il est là pour Medicaid, il est là pour tout programme social yo et pour route yo arrangé. Il est là pour tout bah ça. Donc raison pour tout le monde capable faire compter. La fond capable parce que bon raison nous va venir sur exactement qui ça fait on monde pas ta doué. Faire pour participer à ça, puis le monde immigrant, on t'y a répondu à la question. C'est raison ça que fait, là. Ok. Haïti première classe, bon qui choy! Bon, Max, par exemple, immigrant, vous êtes dans son t-shirt caché, quoi, haïtien, vous ne pas participer à la recensement. Est-ce que vous avez dit, vous qui garantit vous gagnez, si vous dites que vous êtes, famille, l'âge, vous dites, vous avez information, ça a été confidentiel. Ok. C'est pour ça, c'est job, pas ça. Regardez-nous. Garantie que okay. Le recensement lui-même n'est pas un outil, n'est pas un outil politique. Il est là pour tout le monde, il n'est pas gagné, il n'est pas là pour démocrate ni républicain. Il y a une loi qui est établie depuis 1790, ça fait des siècles. La loi, ça, il est Title 13, titre 13. C'est lui qui protégeait tout immigrant, ni monde qui est légal, ni monde qui n'est pas légal, il protégeait données que
quel que soit vous qui travaillez pour essence propre, les données ça yo, yo aller dans boîte confidentielle. Et moi-même en tant que vous qui travaille pour le département de commerce, si d'après information ça m'a metté le dehors, moi pour aller en prison pour 5 ans et m'a payé une amende de $250,000. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'information. Et même président Donald Trump pas gain accès à information ça. Et le seul réseau département de commerce fait recensement, c'est pour statistiques. Nous pas faire pour nous chercher monde, nous pas law enforcement, nous pas chercher, nous pas immigration, nous pas partager information à FBI, maintenant des pas parler clair, nous pas partager information avec DHS, immigration, nous pas partager information à FBI et NSA, DEA et toutes les 17 agences qui travaillent dans l'intelligence, nous pas partager information avec yo même yo gen façon yo gen si yo besoin information ka jwenn bon agence pa nou an li même li la pour régler affaire statistique c'est pas seulement recensement nous fait chaque mois d'année gen un nombre de job qui créé tout de job département commerce c'est li fait ça tout et nous gen survey nous fait chaque année c'est comme ça nous connaît socio-économique status chaque zone yo. OK, now qui différence qu'il y a entre élection faite ici avec ça fait à Haïti? Non, recensement qui fait à Haïti ici avec ça fait élection, sorry. Recensement, moi j'ai travaillé dans recensement Haïti 2000. 2000 c'était premier job où j'ai gagné l'aide sorte fait filo. Et c'est donc c'est job ça, c'était bon moi puis l'expérience moi j'ai été comprendre phénomène ou bien importance recensement. Au pays pas qu'à gérer son pas gagner double. Pas contre combien vous nous gagnez, j'avais dit tout à l'heure, sous pas contre combien vous nous gagnez, combien l'école a besoin, combien police a besoin, combien l'hôpital a besoin, pour ne citer que cela. C'est raison que Haïti, quelle que soit la recherche qu'a faite Haïti, qu'a sorti Haïti, l'état de si pour sortir dans base de données ou bien oui, est-ce que accuracy en termes d'accuracy comparativement de recensement qu'est-ce qui peut accurer? OK, l'aide de faire recensement 2000 là mettez travail là-dedans il était bail que Haïti était gain 10 millions d'habitants mais c'est pas vrai là c'était à cause de taux de croissance là il ouais progression il dit bon lycée 10 millions d'habitants c'est une projection était fait et maintenant ça va faire 19 ans et chaque 20 ans une génération qui émerge. Et après, vous qui était fait en 2000, vous avez 19 ans, ça veut dire que vous êtes en université, ça veut dire 3 ans qu'à venir là, vous avez besoin de travail. Et ce que vous voulez dire là, c'est nous-mêmes dans le recensement ici, nous étudions données morceau par morceau pour voir comment le développement économique et pays après le passé. Par exemple, si vous avez fait en 2000, après 12 ans, vous allez dans high school. OK, l'elfi gagne dans la school faut le travail. Faut nous gagne prévoir tout ba ça. Ou pas qu'à faire aux prévisions correctes sans qu'on pas gagne données. Quel que soit étude, m'a dit ça, si on si on attendre là, il doit corriger. Quel que soit étude de cap sur Haïti, la Banque mondiale, la FMI, la l'Union européenne, moi-même moi dit ça, étude ça pas des études qui fiables parce qu'il faut étude, il faut sondage. On se dit si on s'impolie, okay. Mais son droit. Mais ça dépend, en fait, si scientifique, c'est bon. Bon, scientifique, on a une base de données qui était déjà créée. Alors, bon, nous ne pouvons pas faire débat sur ça. Bon, c'est opinion personnelle. Mais. OK, non, par exemple, vous dites que vous avez une opportunité pour mon travail dans le recensement. OK, c'est très bien. Nous avons un job dans le recensement de bail. Le job, ça, vous payez dans la sortie New York, New Jersey, $25 minimum. Et c'est des jobs saisonniers qui durent 8 semaines jusqu'à 6 mois. Okay. Et là, d'ailleurs, qui durent jusqu'à 9 mois. Donc, il n'y a pas de bon travail dans le recensement. Il n'y a pas de travail. Et le lien est très facile. Si on veut arriver au travail pour le recensement, là, on va aller dans le lien. Ça. C'est 2020census.gov/job. Et là, on met l'application, on fait l'application en net. Il y a accès avec 13 jobs. Et puis, on recrute Cabrillo, on a fait interview avant. Et puis, à partir de l'interview, on a décidé qui job vous qualifiez. Donc, il y a job ni manager, ni assistant manager pour faire la position. Et on a cherché census taker, ça veut dire agent recenseur. Et on a cherché agent superviseur. Et si vous avez une bonne promotion, il y a une possibilité de bonne promotion. Mais il n'y a pas tellement. Il n'y a pas de job short. Son job saisonnier. Mais ça passe.
la bon pour résumer, on doit servir à ça pour appliquer dans l'autre travail dans le fédéral gouvernement. Mm-hmm. Et puis, il y a encore? C'est 2020census.gov/job. Et si tu as un job par an, il y a un job par an qui toujours. Job pour la ville, oui. Lui-même, vous pouvez aller, le plus difficile, vous pouvez aller dans usajob.gov. Et job ça, un job par an, il faut un minimum un master degree. Et si vous avez un master degree, il faut avoir 10 ans de travail pour le fédéral gouvernement. C'est pour la promotion. So, c'est comme ça. Et job dans usajob.gov, chaque job, il faut préparer un dossier, un résumé et tout ça. Donc, usajob.gov. Usajob.gov, c'est là où vous avez un job pour les gens qui ont un degré. Partnership, spécialiste. Pour gagner partnership. Job ça vient long, vous c'est un job qui paye environ de 60 à 120 000 dollars. Il dépend de l'expérience ou qu'a fait l'argent. Mais il faut passer bagarre check. Et bagarre check là, parfois, il prend de 2 à 8 mois suivant de qui site compliqué ou ça. Ok, so. Max, Nam, tout merci. Et puis, vous passez par. C'est un réel plaisir pour vous. Ok, parce que c'était que le processus là. En vogue, l'autre année, on va inviter moi et puis pour partager l'information. Pas de problème. Ok, je très content. Malgré que tu es colo déjà, mais ça fait tout plaisir. Haïti première classe. Kembela. Effectivement, le mwele li m'parle avec lui, li dit Carlo kon kouman ba yo. Et depuis me répond à invitation, quelle que soit circonstance là, est-ce qu'il ça a besoin? Premier ministre ou bien citoyen? Il dit citoyen, il dit effectivement, n'a pla. C'est ainsi que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai honneur pour que je sois capable d'introduire nous. Et dans célébration ça année ça, le notaire bien-aimé, l'homme élégant, le gentleman, l'ex-premier ministre de la République d'Haïti, maître Jean-Henri Seyan. Son problème qui sortit avec nous,
depuis le test ça pas pour haïtien test ça pas pour nous mêmes test ça pas pour africain test ça c'est pour amérindien depuis le ça bataille pour terre fait le ça songe espagnol rentré yo vini yo tué yo décimé toute population qui était là yo tué tout monde qui était là tout indien ont mouri et puis yo vini gen terre donc bataille pour terre a commencé depuis là yo prend terre et tout de suite après yo va le faire nèg sorti en Afrique pour venir travailler terre parce que blanc là vient prendre terre pas l'école travailler donc blanc vini il mené nèg sorti en Afrique nèg yo vini là et il fait nèg yo travail du sous terre c'est vrai pendant nèg cap travail blanc l'autre blanc commence à terre bail l'autre blanc commence à envie goumer avec blanc problème toujours conflit pour terre blanc français blanc espagnol et voilà font traité que était le traité de Ryswick m'a fait nous songer côté que l'Espagne prend partie est là qui va le bail Saint-Domingue nous va l'espagnol et la France prend partie ouest là côté que nous va le parler français nous va le prendre terre panouan qui c'est Haïti et il va faire un travail en pile il va faire un travail dur et blanc l'idée prend nous pour bête nous pas rien c'est bête nous c'était la chose nous dit et comme nous était la chose blanc pas de cure de résistance ou bien de travail nous t'as fait à combien de cas supporter en tant qu'humain nous t'es très apprenant comme monde qui pas monde et comme nous pas monde nous faisons travail en pile et c'est travail dû que y a commandé nous chaque jour qui va le faire que nous va le révolter à coup de fouet dans nous avec avantage 1789 tout et nous va le goumer avec blanc avec tisane derrière dans nous va le mettre blanc dehors nous va le faire indépendance nous va le gagner liberté non mais là nous gagne liberté tout nous comprenons nous font ouf. Et puis, c'est Dessalines qui était le grand commandeur que yo bay gérer pays. Mais Dessalines t'a gagné dans tête lui-même. Pour que tout le monde dans le travail, terre, parce que c'est terre pour bay, c'est ça qui est le plus grand bien que nous gagnons, c'est la terre. Dessalines mettait tout le monde, mettait tout le monde au travail, mais blanc te font bagay. Avant blanc aller, nous connaissons des gens petit tout qui était affranchi. Blanc non seulement de ba petite li nan terre qu'elle gagne, blanc font l'autre bagaille, li utiliser l'autre monde comme prête non, li prend pose, li vend yo, li prend pose, li fait cadeau pour te ka conserver te yo et moun sa yo pral gagner te nan men yo, mais c'était blanc yo que blanc maintenant tête n'importe le retourner à vinn prend. Et Dessalines fait ça noter après la vérification des titres de propriété. Songez ça? Eh bien, c'est ça qu'a tué Dessalines. Première victime de conflit terrien dans le pays, c'est l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Parce que nous avons organisé, un, pour politique, deuxièmement, Pétion, avec Gérin, Songez, et les autres. Nous avons commencé à faire mouvement dans le sud, et Dessalines qui a commencé à faire vérification, nous avons mis ensemble le faux complot de tuer Dessalines. Leur tuer Dessalines, parce que Dessalines te voulait revendiquer pour tout le monde. Il te dit la phrase magique « Et les pauvres noirs dont les pères se trouvent en Afrique, est-ce qu'ils n'ont pas bien terre ?» Eh bien, les yeux effacés Dessalines, qui s'est pas passé ? Pétion, pral prend, maillette là, et Pétion va dire « Moun qui gen droit, c'est moun, c'est généraux yo. » Avec les grands militaires qui étaient gourmets dans l'indépendance, c'est eux qui ont droit. Et c'est pour ça que nous pouvons le faire en répartition des habitations entre les généraux, entre les officiers et petit peuple-là, pas de joindre rien. Gourmets pour recommencer encore, parce que les généraux n'ont rien à dire, c'est vrai, mais à un moment déterminé, les gens ne peuvent pas continuer à travailler, on ne peut pas pour eux. Et bien c'est comme ça, la bataille va recommencer. Nous allons continuer à gagner pendant toute l'histoire d'Haïti, bataille pour terre, parce que la terre, c'est le plus grand bien, c'est le premier des biens. Et bataille, ça va continuer. L'homme traverse l'histoire bien vite avec nous, parce qu'on est Pétion fait dans pas là, et Boyer, c'était encore Pétion, nous d'accord. Et Boyer fait 25 ans, donc nous sommes très loin dans l'histoire. Nous allons gagner Christophe, lui-même qui va avoir les grandes habitations pour le terre. Est-ce qu'elle est capable de mettre tout le monde ensemble pour tout le monde travail? Mais ça va marcher. Et ce n'est pas Pétion qui a marché, distribution Pétion qui a fait, qui va continuer à sous-boyer et qui va traverser toute l'histoire d'Haïti. Nous allons continuer à gagner pendant toute l'histoire les mêmes problèmes de conflits,
parce que toute bataille a fait entre le monde, c'est pour terre. Nous sommes en Afrique, nous sommes venus travailler, mais je dis, si la séparation a fait, il faut qu'elle fait pour tout le monde. Il faut que tout le monde joigne. Alors ça va être fait, et c'est pour ça que nous toujours continuer à gagner. Donc nous traversons bien vite, nous vivons juste dans la zone. Là, nous allons entrer dans Elilesco, nous songeons. Nous allons entrer dans Vincent d'abord, dans, après l'occupation américaine. Et pour le bagage qui va nous marquer notre histoire à partir de là, nous allons rendre compte chaque fois qu'il y a un président qui allait, il y a un groupe de monde qui est obligé de partir avec. L'exil, c'était le seul côté. Un président, par exemple, fini pour être dans le pays. Depuis le président fini, il toujours fini dans Goumé, il toujours fini dans Bossal. Le président est obligé de courir, quitter le pays. Là. Et le coup, il quitte avec tout le monde qui était mon parle parce qu'il va chasser. Et comme il quitte mon qui était mon parle, eh bien, il va prendre bien tout le monde. Idea School of Allied Healthcare fait move dans un bel local pour servir Moon Queens à Clongalène qui veut entrer dans le domaine de santé. Il offre un programme CNA, Cheche Medical Assistant, IKG Medical Billing, Phlebotomie et Pharmacie Tech. Idea Healthcare Agency, dans même adresse, a une position pour Omelte. Idea School, 300 motoparcours à Poche New York. 641-509-5602. Extra Supermarket offre en pile variété produits alimentaires pour tout haïtien dans New Jersey. Bon jean fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche. Ça fait extra. Très pour toi. 563 Central Avenue, East Orange. 327 Lands Avenue, Irvington. 719 Irvington Avenue, Maplewood. 973-378-37-75. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue, Westbury, 516-338-4933. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAFRO 3 et professionnel dirigé par Gredin, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Nous entrons cette semaine dans la période de célébration de notre bicolore, emblème de l'unité entre Noirs et Mulâtres de Saint-Domingue, qui a facilité l'abolition de l'esclavage et la création du premier État nègre du monde. L'évocation de l'épopée spectaculaire du début du XIXe siècle, est souvent perçu par certains d'entre nous comme une forme de pédantisme vide et inutile. D'autres y voient pourtant une source de fierté et d'inspiration pour tous ceux qui perdent confiance dans notre habilité de nous diriger. Notre culture économique, dominée par le monopole qui nous a maintenus dans un système politique contrôlé par une minorité de possédants qui choisissent des dirigeants sans vision, très peu concernés par l'intérêt collectif. Ainsi s'explique notre statut de pays en faillite qui offre un environnement très peu vivable pour ses fils. Nos jeunes émigrent à la première occasion et ceux qui ont les moyens tendent à dépenser leurs avoirs à l'étranger où ils préfèrent avoir leurs conjoints et enfants résider. Ce qui crée une hémorragie de devises dans notre pays à production nationale déjà très faible. Nous autres de la diaspora, dans notre zone de confort, demeurons indifférents aux problèmes et attendons passivement à ce que le pays change pour y voyager, y aller vivre ou investir. Nous faisons appel à la responsabilité citoyenne de tout un chacun d'entre nous pour que nous nous organisions et participions à un effort collectif qui puisse renforcer tout projet de changement visant à une réforme de notre système de gestion de la chose publique. Haïti est à nous tous. Il revient à tout un chacun d'entre nous de participer à sa transformation et au relèvement de son prestige. Vive le drapeau haïtien. Moun yo mande mwen kote sauvé a Messaya. Moun yo mande mwen kote sauvé a Messaya. Mwen di yo nou tout se frères, nous se petit yon seul papa. Kon nous se temple en religion, en se l'amour. John Steve Brunach. Chaque fois que je passe à New York, et quel que soit à côté mien, Haïti première classe, c'est là Malchita pour me parler avec nous. Et c'est Haïti première classe que je garde pour me connaître comment la communauté a vibré. Haïti première classe, c'est Kaipam. Et c'est Kaipam. Avec vous maintenant, Francis Evans a ouvert Connaissance, c'est pouvoir.
Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Francis Ewan qui est avec nous encore dans 5 mois, nous qui reconnaissons ses pouvoirs. Comme nous songeons, dimanche dernier, moi j'ai fini, moi j'ai parlé de... comme nous songeons, pour moi qui t'a regardé. Mais cependant, nous avons regardé, première fois, eh bien, on t'y résumé de en ça que moi j'ai parlé dimanche, c'est que moi, vraiment, besoin pour nous-mêmes qui avons regardé Haïti première classe, pour nous capables vraiment connaître que nous venons apprendre nos bagages chaque dimanche, nous regardons le programme. Si nous prenons un bagage que nous ne connaissons pas, et puis le finir partager avec l'autre monde, inviter l'autre monde à des programmes dans toujours. Moi, j'ai parlé de l'index à l'anonymité, l'importance, comment il fonctionne. Comment que vous êtes capable d'utiliser l'île pour serrer l'argent, pour éviter de payer un paquet de taxes après le retirement. En pile de nous, en cap travail, nous avons 401k. Mais après, nous finir retirement, nous ne connaissons pas que 401k a généré un revenu, l'a généré un profit, c'est vrai, mais en même temps, tout, l'a créé un taxe. Et liability pour nous. Le meilleur moyen pour nous éviter taxe ça, c'est roll comme ça over ou bien transférer comme ça sur un index annuity. Pour qui nous dit index annuity au lieu de on fixe on direct ou bien on fixe annuity traditionnel. En fixe annuity traditionnel, d'ordinaire il y a un taux d'intérêt qui est très bas, qui est à 2% ou 3%. Tandis que dans un index annuity ou capable de faire 7 8% dans une année pendant que principal on les garantit pour pas perdre. OK, principal là qui moment l'argent il pas descendre. Donc c'est ça qui fait l'important pour nous connaître différence entre traditionnel annuity avec index annuity. Donc même famille annuity en tout gagne variable annuity. Variable annuity lui-même les variables ça veut dire intérêt monter descendre comme ça tout qu'a perdu dans moment l'argent. Donc les même vous qu'a acheter lui on prend la bonne plus intérêt toujours que index annuity que fixed annuity cependant li risqué tout li attaché avec Wall Street stock market national et international ou ka perdu at any time si market lan crash. Donc c'est ça fait mon kind of stay away, moi plus encourager nous à garder index annuity parce que moment l'argent garanti moment l'argent moi crois que li très important pour nous. Nous te parler tout même annuity en tout nous gagne l'autre compagnie qu'on est là qui va nous opportunité nous ca ouvrir compte annuity pour moun qui ca fait taxi enfin même famille taxi on connaît gain Uber, Lyft, Yellow Cabs et tout compagnie tout monde ça yo capable entrer dans type annuity ça mais yo pas besoin gain un paquet de cob pour ouvrir compte là et puis le fini gain aussi professeur l'école publique yo côté que yo capable rentrer et dans compagnie ça yo et puis le fini ouvrir un compte côté que nous capable aller dans l'école yo faire présentation dans l'école là et puis le fini tout professeur qui voulait enrôler et puis le fini il fait ça enrôler en payroll deduction. OK, il retire $100, $150, $200 en par paycheck et puis comme ça aller l'investir. Donc le monde ça lui même il fait une retraite, il connaît que il gagne l'argent qu'il a mais maman l'argent là, il toujours garanti, il pas gagner pour le perdre en rien la dernière. Comme ça tout monde qui dans travail et bien, il plus important tout, il bon tout pour le capable transférer l'argent et venir dans index annuity parce que après il fait une retraite et bien il connaît il pas besoin de tracasser quoi yo de quantité de taxes qu'il va pour payer sur l'argent qui était accumulé pendant période de tap travail. Alors parce que comme moi j'ai dit dimanche dernier, si par exemple vous accumulez 2 millions de dollars, 3 4 millions de dollars, 1 million de dollars et puis l'elle fini au fil retired qu'on a 68 ans, 70 ans. À partir de 11 ans, 70 ans et demi, eh bien, vous supposez payer taxes sur tout, vous supposez payer taxes sur toute cobla. Et puis le fini, on vit toujours. Eh bien là, comme ça, après elle continue le travail, côté lié à, parce qu'il va dans le plan pension encore, vous finissez payer taxes sur lui, et puis chaque année encore, même petit profit, il génère, vous va payer taxes. Ça veut dire, l'argent ça a passé dans taxes seulement. Tandis que l'on prend ou mette dans l'index annuity, li travaille pour vous, ou paye taxe seulement sur le ou utilisé. Donc, comme ou pas utilisé, ou pas dans le paye taxe sur lui. Ou ka continue à vivre 80, 85, 90 ans, ou pas en paye 10 cob taxe sur tout cob là, jusqu'à ce que vous mourrez, li rete pour famille. Le famille, vous prenez qu'on a la vie, vous héritez sur lui. Donc, c'est là qu'on est là, vous parlez de chita avec un CPA. Pour connaître que est-ce que vous avez pour payer taxes sur comme ça yo héritier ou non parce que inheritance tax d'ordinaire li kicking après li kicking après m'ko a fait de 6 millions
dollars et plus. Donc là, il est très, très élevé. Ça veut dire que pendant qu'on arrive dans la catégorie, nous n'avons pas de programme. Nous-mêmes, quand on a des programmes là, nous n'avons pas de niveau ça, pour que les familles nous prennent pour le payer, ça va être death taxes. Parce que chaque élection, toujours qu'on barre à bord death taxes, eh bien, c'est ça qu'il n'y a pas à l'air. On prend ces gens qui quittent l'argent qui est over 6 millions de dollars, eh bien, ils gagnent state taxes ou death taxes, eh bien, c'est le même, il n'y a pas les. Donc, au besoin, si on va te passer où, vous mourrez ou pas obligé, tout ça, vous travaillez du pour lui, vous suivez pour lui, faites toute vie où, et puis le finir pour ce gouvernement qui prend en héritier, qui prend utiliser lui, et puis le tandis que vous gagnez moyen, vous êtes capable de faire pour serrer. Donc, deux bagailles qui aident ou en pile avec tax free, c'est life insurance. Life insurance, tax free, ou gagnez l'argent qui détourne en Roth IRA, yo tax free aussi. Ouais, donc ou gagnez deux côtés by ça yo. Donc si vous connaissez que ou ka mourir à the time, eh bien, à son big policy. Ou connaissez que ou famille va mourir, ou qui est riche, mais tu vas compléter pour payer, on prend pour tax. Donc encore pour nous finir, donc ou gagnez employé qui travaille dans l'église yo qui non-profit organizations en public school yo non-profit organization eh bien yo gagne en annuité que yo ka mette $100 $150 $200 chaque paycheck côté que comme ça lui-même li al serré. Donc pour nous finir, nous voulons encore toujours encourager ou pour nous garder et cryptocurrency as one of the vehicles nous ka utiliser pour nous capable en serrer l'argent, mais moi toujours mettez plus en phase sur cryptocurrency mining parce que mining là li plus safe parce que transaction il faut fait quand même mining là c'est process côté que chaque transaction crypto qui fait que c'est Bitcoin, que c'est Zcash, que c'est Bitcoin Cash, eh bien il faut que les passer dans même process là, faut le valider, faut le confirmer, c'est ça mining là, validation et confirmation chaque transaction qui fait non network là, et bien faut le passer dans machine ça. Donc machine ça qu'il y a même compagnie en l'état, même ici ou bien quoi le monde pour regarder, il y a encourager compagnie yo pour bail moun yo et habilité ou bien pour bail yo et possibilité pour acheter machine dans même. Mais qu'on est là, nous gagne dans compagnie ça qu'on est là, yo permettre que ou capable acheter machine là, mais c'est pas eux même qui va gérer lui parce qu'on pas gain expertise pour faire lui, mais c'est eux même cap host lui pour. Ok, c'est n'importe quoi. Utiliser ça, c'est moi qui utilise pour lui, c'est hosting. On voit mais machine aussi pour oublier. Et puis chaque mois, quantité comme généré à ou gain accès dans internet ou pour capable garder exactement et en gens que comme quantité comme il fait et puis les finir quantité comme qui dépenser et puis tout le reste comme qui net en comme non, c'est comme pas oublier ou retirer à faire ou souffler. Si machine en fait 4 ans. La fonctionner, la bailler l'argent, et bien on fait 4 ans à faire l'argent sur quoi vous. Si machine en fait 11 semaines tout, et bien les breakdown, et bien compagnie a toujours, ou bien et comme manufacturier là, lui-même, of course, il est responsable pour ranger les parce que au consomme de garantie sous le lit. Donc machine en compagnie encore, les host les pour vous, mais c'est vous-même qui gagne à faire. Vous avez la quantité machine, vous voulez. Donc après, le directeur et programmation en tout, il est capable de nous téléphoner si nous avons besoin. Donc nous voulons dire merci. Passez un bon dimanche, que bon Dieu bénisse nous. Bye bye. Haïti première classe. Kembela. We're having a special event as a thank you for the Haitian mother on Haitian Mother's Day. And we will have raffles, we will have free gifts, and we will have baskets, and we're going to have many surprises for all that attend. Okay, a lot of free things. Vendors. Wow. How many gifts are you going to get? What kind of gifts? We're going to have TVs, at least 3 nice ones. Mm-hmm. We're going to try to have free merchandise from the store. We will have gift baskets and maybe some other surprises too. Okay. Now, donc vous pensez que ça me annoncé là, regarde ici là. Yes, ça va là ici. Parce que de vous donner ces gifts. C'est VI. Donc, mon reste, Haïtien va bloquer là. Mon reste, Haïtien bloqué. Mais tous les jours, c'est chaque jour, Haïtien bloqué là. Parce que des fois, il y a des poids, ça que l'escalier. L'escalier compte $6. C'est là seulement qu'on a une pièce. Vous comprenez?
pas de l'autre côté. Donc c'est sûr que c'est prêt à faire 10 grammes de bananes. C'est prêt, bananes, scallions, et puis l'air, l'huile, tout. Il y a un peu de malta, tout. Malta compte presque, même s'il faut acheter pour une quantité. Mais il y a un peu de malta à un prix. C'est beauté, c'est beauté, c'est là, voilà, c'est carnaval. Wow. Now, Alberto, talk to us about you, yourself, and what connects, what do you think connects you with the Haitian community? My family is originally from Cuba. I was born here, raised here, but I have always had very strong Caribbean roots, okay? Mm-hmm. The people of Haiti are dear to me, mm-hmm. and I feel for the immigrant, the people that come here looking for a new opportunity. I'm a son of immigrants, mm-hmm. and this is the land of opportunity. And I wish everyone that's an immigrant the best. This is the best country. Remind us the addresses again you have for the 2 extras. Pardon? The addresses for the extra. Our extras are 719 Irvington Avenue in Maplewood, 563 Central Avenue in East Orange, and 327 Lyons Avenue in Newark. Many variety of Haitian products. And the special you're having this coming Mother's Day is going to be only in Maplewood. In Maplewood location. We're going to have music, we're going to have a lot of free things. And it is May 25th for in honor of Mother's Day. What about the other stores? What, those customers from the other stores? Will be giving specials, the same prices here in the other stores, the same specials. But to get the action and the free gifts, we have to come to Maplewood. Wow. Hein? Okay. Now, donc moi c'est son ça va regarder monde la Marie. Yeah. N'attend tout le monde pour Mother's Day là. C'est là puis là hier. You met with Profiyai for Mother's Day. Your last word, Alberto? My last word is I would like to wish all the mothers from Haiti a happy Mother's Day and come down and celebrate with us. All right, thank you, Alberto. Thank you. Thank you very much. Eh bien, nanti tout moun merci et n'attend moun yo Mother's Day. Ab gen yon grand spécial, ab gen yon jeu là tout. Moun ki gen yon premier prix, yo ka passer là. Yo tout kon adresse an, c'est 719 Everton Avenue, Maplewood, n'aptan tout moun na extra supermarket. OK? La maman funeral home prend en charge tout problème qu'a gagné en cas de mortalité. Planification funéraire, transfert quoi à Haïti ou aux États-Unis, arrangement pour résident Haïti, vin enterrement pas Boise. La 2736 Clinton Avenue, New York, New Jersey, 973-399-6301. Accordia Shipping kon ki jon sensible pou véhicule, quel te camion, bus, pick-up, trailer, truck ou soit jeep, c'est la gueule qui est posée nan men Accordia Shipping et puis non badge l'ap déposer nan Port Saint-Marc la pou. Adresse nous si ou nan New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou ap vive nan 201-993-5723. Moz Tax Travel Services kanpe jam pou rezoud problème taxe ak voyage communauté a. Li planifie toute activité vacances kou ap monte avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxa, li gen comptable qualifié à computer bien programmé pour faire electronic filing et faut joindre rifond nous sans qu'elle saute. Mostak Travel Services 2281 Cherche Avenue Bouguenay Nord, téléphone 7186-84-3696. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tel que rachet dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Absolument tout le monde qui branche à Haïti Classe, jeudi dimanche 19 mai, donc on a plein et fait drapeau l'océan. Donc ambiance là, c'est tout partout depuis hier mouvement, fait depuis vendredi d'ailleurs. Tout le monde a fêté le drapeau. Donc son bail qui est extrêmement réconfortant pour nous Haïtiens. Et non pour côté n'a chercher unité, n'a chercher support pour Haïtiens, n'a chercher n'a aussi n'a réveiller pays à cap dormir hein. C'est ça et docteur Fayette nous remarqué lui côté toute fête drapeau a fêté. Nous remarquons en présence de jeunesse haïtienne qui est très fougueux, côté que il a fêté drapeau, fier de drapeau. On va être très encourageant, on a salué tout le monde qui branché, on a rappelé que nous branchés dans New York, les Connecticut, nous gagnons, on a salué le docteur Bertier dans Connecticut, Linda qui est dans West Orange, et dans South Mountain, gain en fait Jeudin avec Z qui branché, nous gagnons Rose qui branché dans Long Island, Cap Cap Haïti pour la classe. Donc, tout le monde tout partout qui branché. N'a pas salué M. Yves-François Aubou. N'a pas salué Vilcia André qui a gardé Haïti première classe dans Asbury Park. Et n'a pas dit tout le monde tout partout qui branché. Nous pas bien t'abonner là-bas et tout le monde. Mais n'a pas salué tout le monde. On connaît bien que Haïti pour la classe est content que ou là ou branché. N'a pas dit que Besker Collège qui campé là pour aider tout le monde qui a cherché à changer de vie. Et il y a un coup LPN, un coup Machelon, un coup CNA, un coup
et que Jifle Botomi Gentou LPNAN et Kousségue qu'on prend qui durent beaucoup de temps mais qui ont bon licence solide pour changer parce qu'en 68 ça a été ici en Jersey téléphone 9736 73 39 00. Sous besoin website, sous besoin webpage avec Renel Desrosiers dans Connecticut 203-644-45-93. Nous connaissons qu'il y a la vérité du club, comme on connaît qu'il y a un travail extraordinaire dans la communauté pour aider les jeunes. Préparer les jeunes, ils vont côté pour être capable de défendre Tétio, et non seulement pour défendre Tétio, mais pour aller dans la compétition. Tout. Mais surtout, et la vérité du club a aidé les jeunes pour pas entrer dans des activités qui n'est pas trop correcte, comme on connaît les jeunes qui ont des activités ou fait sport à IDEO. Donc, oui, c'est Jacques Gondra qui l'a fait depuis des années et n'a pas souhaité que l'autre, oui, c'est Jacques dans l'autre état qui fait même travail. Pour des jeunesses là. Et téléphone, oui, c'est Jacques, 917 804 77 15. Et n'a pas dit que, en fait, Gagnon et Peignel, je suis Gold pour mon cap, je suis pour l'église, vous connaissez qu'un pile fois, les gars, je suis pour venir ici. Et c'est dans Elisabeth, non Jésus. Dans 1147 East Jésus Street, Elisabeth, c'est là que le pasteur Pierre et Charles Aftanon pour aller recueillir. Sous dans un orage, et il y a un pasteur Carlo Nazaire. Pasteur Nazaire qui est l'église dans 490 East Salavine. East Salavine dans Orange. Et puis, au capable la prier avec pasteur Carlo Nazaire, c'est un pasteur qui a d'expérience et qui de calibre tout. Ok, now, nous avons tout ici en Church of God qui est dans 439 Central Avenue, dans Nouak, qui est pasteur Saint-Pierre, pasteur qui a dirigé. Dans Bougain, nous avons Greenway Pharmacy dans 644 Rogers Avenue, entre Parkside avec Klaxon, pharmacie haïtienne qui est côté du monde par les créoles Kaido. Et les pick-up de l'évolution, nous encourageons vos supports de visa ici. On est très important aussi à nous. C'est ça. Pour nous, Québec, comme la famille. Parce que très souvent, on a cherché côté pour aller l'autre côté, chercher côté grand côté, gros côté. Et alors que là, il y a un problème, côté aller. La haïtien. La haïtien. Qui pise de l'autre côté, il n'y a pas même pris un cas autant que haïtien lui-même, il n'y a pas le prendre. On a parlé de l'angoisse avant. Téléphone 7184-6229, 7184-6229, téléphone de Benoît Pharmacie. Et on a dit que Francis Héron qui a fait crypto, qu'on dit surtout. Qui va permettre que mon yo investit quoi bio non l'autre domaine maintenant dit mon yo investit mais investit avec précaution parce que gain risque toujours gain risque d'investissement pour nous apprendre comment ça téléphone et Francis 06 48 55 86 15. N'a dit chez Mirel comme on connaît et je dis ça toujours gagner bonne chance le dimanche qui demain dame on break choisi c'est ça lorsque l'église mène famille à manger chez Mireille. Donc et chez Mireille dit tout que chaque vendredi soir il gagne un soir spécial élégant côté que capable manger pour un frais fixe à là tout chaque vendredi soir chez Mireille. Ah c'est bien. Et pendant n'a dit que son parent mais là va rien là. Ah bon n'a va rien lui même connaît que nos besoins services dans la communauté hein et quel que soit côté m'ta connaît gagne un funérailles un monde qui mourit m'a porter service à ben avarin l'a fait comme là avec nous quand même mais pour moi même font titan. Ou toujours très parlé de la même chose. Qui voulait bon, pas de problème avec monsieur, non, c'est seulement moi-même pour comparer. Pour comparer, est-ce que vous parlez, on va parler, non? Non, ma parlé dans 50 ans encore. Waouh. Qui garantit vous, Lucien? 50 ans encore. La petite School of Allied Healthcare qui établit dans 300 Motor Park, dans Hoboken, dans Long Island, New York, les baïkou médité, les baïkou. En fait, medical assistant, les medical billing, tout conseil de coucou bah là. Et ils permettent que étudiants leur finissent avec courant, ils ont un petit job. Et gen, par exemple, spécifiquement, il y a une agence qui est l'idéal, healthcare agency, qui dit que si on licence au médecin, on cherche un job, checker rapide, il y a un job pour vous, téléphone 631-509-5602. 531-631-509-5602. Et AMH, fait, tout le monde connaît que 8 jours à Bina, il y a un fête annuel que le fait. Fête annuel qui fait chaque année. 8 juin, il y a fêté un gala et côté que nous avons invité toute communauté hein, pour yo checker le website AMH, faire réservation à l'avance. Vous connaissez Nelson, il est toujours là. Vous même toujours là, tout. Oui, je suis toujours là et je plan encore cette année. Et je souhaitais que la communauté fasse des déplacements en grand gens. On dirait que mesdames, chaque fois passer l'église, je dis que faut bien nous bailler avant. Mesdames, dis-moi ça, que est-ce que vous devez mettre l'application depuis qu'on a parce que message à rien les. Boukouri, Nouvelle Gaïe. Pourquoi je vais l'application? Bon, entend, parce que mon Dieu dit que ou pas, trop pressé, pas faire, je l'ouvre. Non, bah, mais c'est bon, si c'est mesdames, je vais l'application. Mesdames, la précipité, oui, là, parce qu'il a demandé qu'il ait prévu une petite application. Quel est l'avantage d'en rester? Je ne sais pas. Monsieur nous dit qu'il faire docteur, sans, en fait, sa compagne, j'ai le fait. Chaque année, téléphone AMH 908-789-0808.
Et n'a pas dit que gain Haiti plus ou bien Bosicorese qui t'a bien dans politique Haiti plus là, les nous faire réduction document, faire passeport haïtien pour vous, faire application citizen green card pour en fait réel c'est là, Bosico faut connait que il parer pour là, soit pas chez Kawa Bankai et check avec téléphone Haiti plus 203 244 2509 Bosicorese 203 219 2908. Bon, et n'a pas rappelé que chaque vendredi soir, il y a le bistrot qui a un rendez-vous là, et quand on a mangé bon poisson, c'est ça? C'est ça. Il y a deux bouchons de poisson, là, en fait, à Haïti, comme ça. Bon, je suis capable de ça, poisson, il est bon, sérieusement, et je ne regrette pas à ce que je suis retourné dans le bistrot. Donc, mal après, déguster poisson. Tu as retiré la flamme, ou pas, j'aime pas si la poisson, ou t'as plein que poisson est trop cher, là. Bon, je retiré à fait trop cher, parce que poisson, il est bon, tout bon. Là, on a dit que le bistrot dans 216 North Main Street dans Spring Valley, téléphone 845-517-5274. Il y a MGJ Computer and Operational Management System qui fait connaître que, en fait, il a pour aider à réparer le computer, setup network, préparer pile website, et de faire management business. Il y a collecté information pour vous, il y a analysé information, fait inventaire pour vous, étudier des relations pour vous aider, mais sure que vous êtes capable de contrôler le business là, et vous êtes dans quelle direction vous pouvez aller. Ça son service pour qui? Ça son service qui est nécessaire pour businessman haïtien, surtout si que ou pas gagne niveau dans genre de activité ça, parce que imagine si on contrôle combien plate manger au van. On parle de restaurant. En restaurant. Parce qu'il y a des comptes plate manger qui mange au pire mais manger qui est au van, ça va permettre que mettre qui ça qui baille plus profit. Exactement, donc ça et n'a dit que capable reler 917 509 0146 917 509 0146 pour information. Il y a une vérité multiple service qui établi dans 737 Main Street dans New Rochelle qui fait connait il fait transfert pour vous, il fait real estate cargo, taxe et capable reler Horace Saint-Romulus dans 914 846 52 57 ou encore 914 576 54 92. Et a fait et peinture haïtienne. Gagné nos placides là comme on a un gros peintre qui t'a bien regardé. Ou artiste peintre haïtien et nous même nous encourager tout haïtien pour gagner un tableau haïtien dans salon la caillou, son bagage qui est vraiment nécessaire. N'a pas dit que nos placides fait connaître que la caillou, de vous reler la préparer pour parce que charger tableau la caillou et quoi faire zami cadeau, quoi mettre la caillou tout 917 232 1004. Et n'a pas dit que donc après-midi comme on connaît dans Civic Center à 20 ans, après qu'on tienne bagaille dans fait 18 mai, tant coup après gagner parade cap saute dans et devant City Hall dans Spring Valley cap descendre dans terrain pour grand pile manifestation. Donc 18 mai a continuer jeudi 19 là, ça. Oui, 18 mai a continuer et nous gagne fête 18 mai cap continuer jusqu'à 23 mai et nous remarquer présence jeunesse là en pile dans fête 18 mai, c'est on va les encourager. Sans compter que avant vendredi, je crois que tu as gagné un magistrat et Spring Valley, magistrat Vosel là, qui était venu de dire ça. Nous avons monté le drapeau. Donc tout cas, était monté le drapeau, tout cas, étranger. Parce que toute ville, il y a un drapeau ici à flotter dans les États-Unis. Donc définitivement, on a dit que il y a un pape pharmacie qui est venu dans 11-15 d'autres sur l'avenue, entre Pitbull avec Maple qui fait connaître que les pics ont des prescriptions, il y a un micro qui parle de l'homme capillaire avec prescription. Et encore supporter les haïtiens sont extrêmement importants pour nous rappeler. Qu'un bébé business dans la caille parce que le wal poté comme la baille dans l'autre communauté, ce n'est pas tellement apprécié après ça. Il y a encore bon, mais l'autre bébé comme la caille dans la communauté haïtienne, où il y a un plus bon service. Pape Pharmacie 718-649-11, 718-649-11. Il y a un professeur Antoine Cotte qui fait connaître les grands coutures et les pour tout le monde qui va dans l'université et qui permet de préparer l'examen. Il y a 35-24 avenue Ashton Brooklyn, un téléphone. 347-659-1967. N'a pas dit que Legacy Pharmacy que nous gagnons dans New Jersey là, Legacy Pharmacy pas nous. Yo parle créole, yo parle anglais, yo parle français. Y a edo, y a expliqué qui j'en pour prendre médicament ou pas gain intérêt à l'autre côté. Et Legacy Pharmacy en fait pick up des prescriptions et téléphone et Legacy Pharmacy 908-352-0050. N'a pas dit pour monde qui gagnait mauvais problème. Vous avez fait opération hernie hémorroïde by Edwards. C'est docteur Yvan Duchesne. Eh bien, c'est contacter docteur Yvan Duchesne. Sur la joue avec peine. La bon service. Lui-même fait plastique service, plastique tout. Donc, M. Manares, docteur Duchesne là, téléphone 976-74-4042. 976-74-4042. Et on a dit que Haïti pour un classe 2 novembre, comme on connaît, a fait célébrer. Chez Mireille. Chez Mireille, c'est la fête là. Donc, on a pris un programme là.
côté que pour Haïtien entendre là et faut que mes en famille tout faut dire c'est ça n'a prêché ça faut faire c'est normal c'est dans chez Miguel que fait ta fête dans Long Island donc tout vous préparer mais on va aller vous connaissez pour passer dans Emma. Oui, il faut passer dans l'IMA pour aller mettre fraîcheur sur yo. Oui, mesdames, ça c'est mesdames, puis aller fraîcheur sur yo pour capable pas être dans fête là de façon d'accord. Pas sur d'accord pas dans fête d'Haïti pour casari. Bon, année passée, non pas d'accord pas non, de pour compte moi. De pour compte moi. On va mentir non. Non, de pour compte moi. Pendant sur place, de rencontre en cavalier, mais bon, de pour compte. C'est quoi tu fais? Bon, ça arrive. Et n'a dit téléphone, il m'a dit ça 973 677 94 30. Gendium Expitio qui fait connaître que il fait photo vidéo pour toute occasion, baptême, communion de graduation, avec GPT téléphone 201-220-49-90. N'a pas rappelé 220-43-90, pardon. N'a pas rappelé HUA de 9h11, n'a pas gagné première classe sur 91.5 FM. C'est ça. Donc, c'est l'occasion pour nous poser des questions, répondre des questions, faire interaction. Donc, Haïti première classe là pour capable ouvrir la porte à Bamundo. Parler politique. Parler politique, parler communautaire, tout parce que nous voulons organiser communautaire. C'est ça. Donc, quand vous HUA à 9h, 91.5 FM. Pour Haïti première classe. Haïti première classe. Kembela. Pour faire suite à la discussion que nous avons fait sur les affaires qui j'ai pour orienter Timonio après high school, yo, et nous avons le plaisir de recevoir avec nous Dr. Parnell Beaubouin, qui est psychologue qui travaille dans le système pas bon ici, et dans la zone de Jouézéa. Donc, je vais le partager avec nous. Expérience et expertise dans la question. Et qui j'ai par exemple parent capable de prendre avantage de connaissances que M. Gagné, expérience li, et proposition que le pourra faire matière. Docteur Beaubouin, définitivement, on a un système là où est Timon yo, où dit que le système ici a préparé Timon après high school pour aller dans le collège. Est-ce que la réalité dans le jeune Timon yo fonctionne avec le problème que vous portez avec yo, vous arrivez à suivre l'INSA qui trace dans le système ici? Salut, pour jusqu'à vérifier les statistiques qui sont disponibles. Pas gain étude spécifique qui fait sur ti haïtien particulièrement Essex County. Cependant données ça existé dans chaque district scolaire que ça soit donc ou même nous dans East Orange donc on peut vérifier avec département guidance dans différents districts voit que qu'il y a très peu de timonio qui finit de high school qui allait dans l'université. Alors non trompé peut-être non souvent le fait que grand paquet de haïtiens puisque nous sommes peuple très intelligent le fait que qu'il y a des haïtiens qui brillaient et donc ça masquait réalité hein. Donc la réalité étant que qu'il y a très peu de petits monde vraiment qui poursuivent une carrière post secondaire. Haïti première classe Boki Choi. Ouais. I'm interested and I would love to go back to other meetings to see you know where I can lend a hand or, you know, I'm not saying I want to be a member, but I would like to hear more. Okay, very good. Fair enough. Bernardville? Mm-hmm. Yeah, Bernardville. Okay, and we have a young lady and welcome. So, I'm Jean Plaisir. I will introduce myself. We go to... Luciano. My name is Luciano Benjamin, and I am a member of the Chile. Okay. And I'm a professor. Okay. I'm Rhys Langos, I'm a physician practicing in New Jersey. Okay. And I'm a member of the association. My good friend, engineer. Osini Bozil. Parce que vous m'avez dit soulevé là qui est extrêmement important. Mm-hmm. Une prolifération de création d'organisation. Mm-hmm. Mais nous rendons compte, nous avons regardé qui ça fait tout ça là et pour avoir un impact toujours. Mm-hmm. Et là, c'est parce que tout a pris long route et moi me persuadé. Si là, si certains monde moins qu'on est là, nous rejoignons le groupe, nous supposer font une différence et venir à un nouveau son de cloche qui est capable de permettre tout le monde, inspirer tout le monde parce que nous condamnés pour nous faire ça en affaire. Autrement, parce que nous n'avons pas joué de résultat dans certaines approches. Extra Supermarket offre en pile variété de produits alimentaires pour tout haïtien dans New Jersey. Bon en fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche, ça fait extra, très pour toi. 563 Central Avenue East Orange, 327 Land Avenue Irvington, 719 Irvington Avenue Maplewood, 973 378 37 75. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcende des choix tels poissons, tasseaux, griots, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e Avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 789 2176.
le restaurant-bar La Baguette d'Or Bistro vous accueille pour tous vos événements. Meetings privés, baptême, communion, anniversaire, La Baguette d'Or Bistro, c'est une cuisine créole de grande qualité dans un cadre exceptionnel. La Baguette d'Or Bistro, 214 North Main Street, Spring Valley, New York. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Zéron, 2174 Booking New York, téléphone 718-434-5825. Et maintenant, nous menons dans la baguette restaurant, côté que, en fait, Haitian Leadership Forum, à travers différents mondes, qui sont dans différentes communautés, t'es chita pour réfléchir, pour qu'on ait exactement dans quelle direction nous allons aller, parce que trop longtemps, nous avons dehors dans la discussion qu'on a faite. Du moins, nous avons seulement à critiquer, à parler, mais pas à l'action qu'on a faite. Et nous avons Dr. Sangos, son nom là, Dr. Sangos qui a une question, qui a une meeting, qui a une idée, et pour nous ensemble à réfléchir, docteur. Bon, je crois que c'est une belle idée, le fait que nous tous réunis ensemble, et puis, ouais, comme c'est qui, Jean, que nous avons lancé un mouvement. Parce que c'est un mouvement que nous avons besoin pour Haïti sur ce côté-là. Parce que l'on a dit ça qui passe à Haïti, c'est un bagage extraordinaire. Et nous, toutes là, je crois que nous sommes d'accord que si ce n'est pas nous-mêmes, Haïtiens, qui retirons Haïti côté-là, nous ne pouvons pas sortir côté-là. Et je crois que nous sommes tous d'accord. Ce n'est pas les gens qui mettent le côté-là avec la mentalité, même mentalité, que eux-mêmes, ils ont besoin de solution pour retirer. Et ou toujours qu'on est faillite, moi-même, idée pas moi, c'est monde qui dit que bon yo, c'est monde qui pas involvé, c'est yo responsable que Haïti comme ça. Parce que si tout monde en Haïti, si tout haïtien qui considère comme bon haïtien, pas vrai, font petite participation, quel que soit genre de participation, pas gain jour pour dans 10 ans nous pas retirer Haïti côté là. Ce focus pas moi, c'est pas sur critiquer nèg qui pas bon yo, m'pa grand m'a esprit de yo, c'est en stimuler monde qui bon yo, monde qui pas actif yo. Je pense que si nous faisons ça, si nous focus sur ça, pas gain gens pour Haïti par ce côté là. Et ceci même la communauté haïtienne ici parce que grand pile monde c'est critique là seulement mais yo pas ba rien. OK, na pour est-ce me connaît que ou même grand pile action qu'on fait surtout dans politique pas bon ici surtout haïtien involve et qui joue un progrès que n'a fait, qui joue direction que n'a prend pour capable river prendre force que nous gagnons rassembler pour aider communauté à venir en plus bonne communauté. Enfin, de merci pour l'opportunité. Ça, c'est toujours bon pour nous rassembler comme communauté. Je dis l'esprit, le monde rassemblé, qui a des cap dégagé et gagne action qu'a fait. Même si parfois pas nous fait action, mais après que ça nous partage, ou après que sont comme si on l'eau là, non, sont reposés en pied-bois, ou après les grandis quand même. Il est bon pour nous réunir. Et ça me garde c'est que gagnons nous-mêmes dans ça et Haitian leader en forme à faire. Et c'est au travail qu'on a fait quelques temps dans la communauté, spécialement dans New York City, c'est participer, engager dans le service communautaire. Nous avons toujours engagé mon pendant plus de 10 ans que la communauté n'a pas changé, n'a pas gagné, évolué ce que fait dans la communauté, côté celui ou même ou pas venir participer pour des contributions. Pour. Et spécialement dans la diaspora, que nous, côté nous avons un peu haïtien qui fait succès, un peu haïtien qui gagne peut-être une capacité intellectuelle et autres, business entrepreneurs. Nous pensons que Haïti reflète sur nous-mêmes. Et regarder la lumière, ben regarder le soleil là, je crois que c'est nous-mêmes qui pouvons refléter back pour mettre en lumière dans le pays, ça, dans toute forme d'éducation, ben dans toute forme sociale, dans toute forme entrepreneur, dans le business pour nous faire Haïti. Parce que nous n'avons pas le plus mal que je viens de dire. Je dis qu'un jeune n'a qu'un siècle, nous sommes deux siècles qu'on y a là, nous pouvons jouer au troisième. Nous cherchons toujours, mais l'espoir fait vivre, c'est ça nous dit dans le proverbe là, nous, et ça nous dit dans l'histoire, nous continuons. Et moi, demain, après, c'est moi qui célébré l'héritage, nous, on a célébré la contribution dans le monde là. Et Haïti ne va pas acheter des tables là, ou même pas acheter un bas table là. Je crois qu'il faut que nous arrivions dans le monde international là encore. 200 ans de cela, nous te faisons déjà. Et pour aujourd'hui, je pense que, comme le docteur Sanglo dit, c'est que nous devons unir nous. Nous devons unir pour tes contributions par nous. Yes, 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 nous devons pour tes contributions par nous. Et contribution doit être faite de façon que structurelle, parce que pas qu'une société, qu'une nation, qu'une famille qui a réussi, ça pas une structure. Et je pense que le travail qu'a fait le Haitian Leader Forum, non, c'est ce que tu en as fait. Et je pense que nous sommes bonne voie. Et je pense que il y a espoir pour Haïti. Ok, dans notre plaisir, vous travaillez dans la structure où différents monde est venu, qui ont des démarches que nous avons fait là et dans quelle direction nous allons aller, Haitian Leader Forum. D'abord, donc, pour moi-même, d'abord, madame, abonder dans le même sens, M. Porès, souligner quelques points qui sont importants à savoir que HLF, son structure, unificatrice qui a essayé
mettez tout déployer tout effort pour canaliser réflexion nous et action nous pour l'entreprendre du tout pour nous capables de créer des espaces qui pourraient permettre que de bonnes actions et attirer nos communautés. Changer mentalité, c'est pas un bagage qui est facile. Et ça, c'est un défi colossal. Cependant, si nous faisons un travail de terrain, et côté nous joindre, nous faisons sociologie et communauté haïtienne, nous toujours que communauté haïtienne, yo, parce qu'il y a plusieurs, et nous cherchons qui ça qui souci, qui ça qui grand défi, yo, et puis de là, nous faisons une mise en commun sur type de priorité que nous définir ensemble avec eux. Ce n'est pas nous-mêmes encore qui sommes leaders dans la structure là, qui pourra le dire, mais ça pour le faire. Mais cependant, avec eux-mêmes, avec réflexion à faire, l'avenir par définir un programme que nous pourrons structurer, nous pourrons canaliser pour qu'il y ait plus de gros impact. D'autre part, nous-mêmes dans la diaspora, c'est notre réserve pays d'Haïti. En même temps, tout, bon l'autre défi. Et l'en garder nous tout qui là, nous dans quarantaine, nous pour aller, nous même qui dans cinquantaine nous. Nous gagnons et faut nous capable créer un modèle que nous capable dupliquer en sorte que jeunes qui viennent au pour prendre la relève. Donc structure ça tout les gagnants pour le servir comme des modèles pour laisser pour les progénitures à venir. Donc dans ce sens ça nous gagnons un travail de mémoire pour nous faire parallèlement avec l'engagement d'apprendre, que ce soit dans le pays d'Haïti, sur le niveau économique. Mais surtout, il faut nous faire social là-bas, ici. Parce que je regarde, moi, les jeunes qui ont levé dans l'université, dans la high school, dans le lycée, c'est comme si nous avions un écart entre eux-mêmes et les générations. Nous avons besoin de gagner, comme combler l'écart. Nous avons besoin de créer ça, une cohésion sociale. Multigénérationnel. Très donc, bien, parce que je pense que c'est dans route ça n'a pas de nous. C'est à nous qui sommes professeurs qui avec les jeunes de chaque jour, qui ont sens que les jeunes connectés avec la réalité haïtienne et qui ont un goût pour entrer dans la dynamique pour et des changements dans la communauté. Eh bien, Dr. Fayet, étant que éducateur, moi, personnellement, moi, servi de pont pour génération future. Et moi, fait tout ça qui est possible pour nous capables d'impliquer la jeunesse dans ce qui a fait dans la communauté, plus précisément avec HLF, pour demain, si Dieu veut, yo nous préparer pour capable assurer un futur, si génération va venir. Si nous pas fait travail là, eh bien, nous-mêmes, nous avons regret. Alors, dans ce sens, je fais tout ce possible pour impliquer jeunesse là dans ce qui a passé là. Ok, non. Bon, c'est qu'on a, donc on a dans le domaine de business, surtout dans le real estate, ou même expertise, qui faut voir qui j'en a navigué. Et il y a plein de monde qui pensait qu'il y a des problèmes. Très sérieux que Haïtiens, dans la diaspora, confondre un thème de deal avec HK Man, Kai Pedro Kai, qui ont ouais et nous capables de contribuer dans le bas monde de l'éducation qui a besoin pour changer la qualité choix que vous faites dans HK et Pedro Kai. Eh bien, bon, Dr. Fayet, nous connaît, comme nous toujours dit, c'est nous tous. Quel que soit le domaine, nous avons une obligation pour nous investir dans la communauté que nous vivons. Parce que c'est la seule façon que nous avons sorti, nous avons fait vers l'avant collectivement, c'est là que nous avons supporté l'autre. C'est là que nous tous travaillons ensemble, nous tous venons pour nous promouvoir bien-être physique, spirituel et financier l'un de l'autre. Et comment pour nous faire ça en termes de l'on a parlé de real estate et tout notre type d'investissement, donc il y a une obligation pour nous faire éducation mondiale, quelle que soit la façon que il y avait investi, que vous êtes l'on a parlé de real estate, acheter caille c'est une obligation liée. L'autre point acheter caille c'est pas en classe ou changer quand vous confinez acheter caille là pour aller prendre l'autre obligation crédit en pile monde qui perd du caille bah dit tout en pile monde qui perd du caille c'est parce que à leur financier cas là en situation financière ont changé quand vous perdez du travail vous êtes malade vous divorcez mais il y a en pile monde tout qui perd du caille c'est indiscipline pasteur et trois capasteurs il a prêché pour mon à l'ancien mais à terre là fait nous pas bon
qui joue un comportement du pasteur et la nécessité de l'autorité communauté, mouvement pour l'état changé bio. Pasteur Abela. Donc, en tant que pasteur, bon, moi, critiquer ça, y en partie, et d'autre part, je ne pas trop critiquer ça parce que nous, en tant que. Parce que Jésus-Christ, avant que son ascension, donc il était fait déclaration solennelle, ça, côté que il était dit comme ça que moi, pralé, je vais préparer une place. Donc là, côté me vaille, c'est là que nous vaillons tout, en tant que chrétiens. Parce que nous connaissons que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Mais d'autre part, moi, critiquer ça parce que l'on garde pour vraiment conditions de vie en mounio, conditions de vie humaine en tant qu'haïtien. Donc, il n'est pas trop, comme capable de dire, trop appréciable. Trop que l'on bagaille nous capable de dire, bon, voilà, bon, nous supposons vivre. Et au même titre de tout le monde, parce qu'on est humain, donc nous vivons sur la terre, donc ça veut dire toutes bonnes choses nous capables de bénéficier. Donc, moi, un petit peu à critiquer ça, le pourquoi, parce qu'il est vrai que du côté, et au point de vue salutaire, c'est normal, vous comprenez, mais le fait que nous ne sommes pas encore des anges, on est encore humain, donc ça veut dire toutes bonnes choses que les terres, hein, les gagnent, donc nous supposons bénéficier, nous supposons jouir. Au contraire, c'est nous-mêmes qui sommes supposés jouir en tant que chrétiens, parce que la parole de Dieu nous dit que dans le psaume 24, il dit à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc, moi, un petit peu, Jacques me dit en critiquer et d'autres paroles. Obligé à accepter le pourquoi parce que notre devise c'est un jour pour nous capables de vivre avec bon Dieu et dans la félicité. D'accord. Et je vais vous dire, nous avons pays quand ça passe, il y a un capitaine d'élection, mais élection qui fait pile monde qui sont passé au connaît, il y a un mauvais coup à Paris. Entre temps, il y a des cap marché pour rentrer dans la même logique là. Il a fait campagne, chercher mon rassemblée pour aller pouvoir pour qui ça. Et il y a mon cap mandé pour camper tout système pour aller vers une conférence nationale. Par contre, tout ça, c'est compliqué. Quatre lamarés, qui sont-ils? Je ne vais pas prendre une dernière émission, je vais avoir là. Et nous avons abordé une partie de la question. Il y a un bagage moi-même, moi, direct. Nous arrivons au stade. Après constat, qui s'en a fait? Et. J'en ai dit ces derniers temps, moi-même personnellement, je me focus sur nous-mêmes qui ici. Je me dis qui ici qui vivent dehors du pays, qui ont certains privilèges. Là, nous parlons de Haïti, nous avons toutes excuses en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes de tout bagaille, nous dit qui n'a pas gagné, qui servit d'excuse, qui fondé. Mais là, qui s'en a fait et qui s'en a réglé. Après constat, qui mesure on apprend nous-mêmes. Parce que quand même, l'or était à distance qu'on est de Haïti et vous voulez un impact concret sur Haïti. Qui j'en a gagné sous pas gagné plan, qui j'en a gagné sous pas gagné allié, qui j'en a gagné sous pas gagné stratégie, qui j'en a gagné sous pas gagné moyen matériel. Et c'est un point m'a prêté sous lui, nous supposer doter tête nous de propres moyens nous. Pour si nous faisons une action, nous avons besoin d'un impact, nous avons une branche de monde, nous avons un courant pensé. Parce qu'il faut élever le débat, ce n'est pas son bâche émotionnel. Si nous supportons mon à partir d'un programme, un groupe de mon à partir d'un programme, ou sinon même tout si nous proposons un programme, si nous proposons des changements, eh bien, il faut nous avoir des moyens matériels. Je vais insister sur ça. Si nous ne pas créer richesse, si nous ne pas créer moyens matériels, pour nous battre nos pouvoirs, pour nous marcher, mettre en branle stratégie pour nous faire changement. Personne ne peut faire pour vous. Haïti première classe, bon qui choy! Thank you.
Moi-même, c'est Muriel Création. Ma fête est 28 ans création. J'ai 28 ans, ma fête avec ça. Et moi, j'ai 8 ans, ma bataille à cancer. Je viens quand même parce que moi-même, c'est cancer. Là. C'est peinture hein, qui aide à continuer avec le travail. Moi. Et j'ai porté le premier prix en Fashion Week Bahamas en 2009. Et après 10 ans, le président est invité. Moi. Et qui président? Président Fashion Week, là. Oh. Pas président. Oui. Alors, il dit moi que, comme je ne peux pas payer 3 000 $, la peinture est avec. Puis, il a accepté que nous sommes sur le même podium. Moi-même, c'est peinture fait, peinture unique, peinture sous tissu. Et je suis content de soi venir parce que je pense que, comme Haïti n'a pas fait travail ça, nous avons l'autre monde qui est intéressé à travailler nous. Nous faisons pour nous montrer à Haïti que la culture a une pile d'importance l'autre bord. Il y a à peu près 7 pays qui participent. Il y a Sri Lanka, il y a Indonésie, il y a Bahamas, il y a Haïti, il y a la Barbade, combien de nous déjà? Et puis il y a deux autres encore, je ne vais pas passer qui est ça dans eux. Oh, Madagascar. Et, participer. Bon, nous on fashion. Quand on va prendre là, on va prendre capable de dire non et puis qui sont représentés. Moi-même, c'est Naomi Grandpierre et moi représenter Haïti dans la collection Persida. Oui, c'est la fameuse nageuse internationale des Olympiques. Ah bon, oui. Eh bien, c'est très bien. On est capable, eh bien, parler avec les téléspectateurs, dire exactement qui nous sommes, qui sont représentés, parce que nous comptons, wow, nous sommes venus là justement dans une belle activité. Dis-moi exactement qui nous sommes. Bon, même si Naomi Grandpierre, moi, je représente Haïti dans les Jeux Olympiques en 2016. Donc, quand je suis là, je ne sais pas si là, fait fashion, mais normalement, c'est natation, moi, frère. Oui, mais moi, j'ai invité Naomi personnellement parce que Naomi nageuse. Et en plus, moi-même, collection Nagin pour avec la mer. Avec Resort, c'est pour ça que j'ai trouvé que son belle collaboration pour Naomi vient faire face à la collection. Naomi, Naomi, qui dans quel niveau est dans natation pour venir là dans fashion, mais dans quel niveau où est dans natation? M'a entraîné pour les Jeux Olympiques, donc chaque année moi représenté Haïti dans championnat du monde. Qui ça que maintenant là je dis dans Manhattan? Moi là pour et Islands of the World Fashion Show et moi t'es marché pour collection Haïti. Ah bon? Et qui côté t'as même Haïti ou bien États-Unis à vivre? États-Unis à vivre. Où t'es dans États-Unis? Atlanta, Georgia. Non, c'est pour dire que les gars ont pied Atlanta, ont pied Chicago et puis les gars ont leur pied Haïti, les gars troisième pied Haïti. Et qui ça nous capable de dire avec tous les spectateurs de performance ça et qui sont faites là soir?
Et il était vraiment un bagage incroyable, gain œuvre d'or de tout pays caribéo. Donc c'est un plaisir pour représenter Haïti dans this festival. Dis-toi à l'audience, comment vous percevez Haïti dans le domaine fashion? Comment vous voyez Haïti? Et pas qu'on est, c'était même qui t'a marché dans le show, donc pas qu'on est, non? Pas t'a regardé? Oh, bon, je pense que Caraïbes là prend Haïti au sérieux, même si vous pas parlé de lui, mais vous toujours content le Haïtien participer dans la qualité de la parce que vous connaissez nos cabailles. Nous avons pile or pour nous bailler. C'est ça, bon, docteur Fay n'est pas capable avec nous après-midi. Oh, hein? C'est dommage. Et, mais qui ça nous a aimé? C'est une parole nous a aimé adressé avec tous les spectateurs, justement, qui ont regardé Haïti première classe. Donc, tri-state là, New York, New Jersey, Connecticut, qui va le garder nous là dimanche prochain, 6h pour 8h. Qui ça nous capable de dire? Premièrement, nous avons dit merci beaucoup à docteur Fayette. Qui accorde la télévision, hein, vin là, vin filmer. C'est un honneur pour nous parce que nous connaissons les Haïtiens dans la zone, plus de 1 million dans notre tri-state là. Alors nous bien représentés. Merci en pile. Et il bien dit tout ça, donc c'était un bel événement. Qui sont à remettre à tous les jeunes haïtiennes justement, qui ont regardé le programme ça comme son natation ou représenter le pays? Et qui met ça vous avez adressé avec tout haïtien justement qui a parlé? C'est en français m'a parlé, mais... Vous n'êtes pas parlé ni français, ni créole, ni anglais. Okay, et même chinois, c'est pas mieux. Il n'est pas facile pour moi pour parler en anglais. Donc, m'a dit, it's important for all of us to have pride when we're representing our country and take control of the narrative so we can just show the most positive aspects of our country. Beautiful, thank you. Thank you. Idea School of Allied Healthcare fait move dans bel local pour servir moun Queens à Kongalen qui veut entrer dans le domaine santé. Li offre programme CNA, Cheche Medical Assistant, EKG Medical Billing, Phlebotomie et Pharmacie Tech. Idea Healthcare Agency dans même adresse là, une position pour Omeltit. Idea School, 300 motoparcours à Poche, New York. 641-609-5602. Extra Supermarket offre en pile variété de produits alimentaires pour tout haïtien dans New Jersey. Bon jean fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche, ça fait extra. Très pour toi. 563 Central Avenue, East Orange. 327 Lands Avenue, Irvington. 719 Irvington Avenue, Maplewood. 973-378-37-75. Miguel Restaurant & Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repasse et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue, Rosebery, 516-338-4933. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff groupe 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Ici, madame, monsieur, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-7447 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment nos éditeurs Eddy André et Nicolas Stewart, nos caméramans Joseph Rosarion et Jephthé Alexandre, notre marquise Sheila Jean assistée de Franck Charles sous la direction de l'ingénieur Nel Sony Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce matin, vous avez rendez-vous avec le brunch de chez Mirel à chez Mirel Long Island. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec l'émission de radio de Haïti Moyen Classe sur le 91.5 FM. Bon dimanche.